Bonjour à tous, bienvenue aux expériences de paysage. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Michel Pénat, que je ne présente plus puisque c'est Michel qui a initié ce cycle de conférences depuis 2009, que je coordonne aujourd'hui avec Adrien Fourès, avec l'équipe Annua Production de Sophie Blainvillain, avec Laurence Traboni OGI et avec nos partenaires, nouveaux partenaires AREA et partenaires fondateurs ProUrba, qu'on aura le plaisir d'accueillir en fin de séance sur l'estrade avec Michel pour poser quelques questions à Michel par rapport à ce changer de mode de ville. Quand même quelques mots, puisque j'ai dit qu'on te présentait pas parce que tu étais déjà connu. Alors pour moi, tu es connu pour tous ces projets que tu as faits, qui sont jardins, parcs et promenades, mais aussi pour tes écrits, ta sensibilité, ton partage aussi du paysage que tu as fait au sein de la fédération énormément, et ta joie de vivre que tu partages à chaque fois avec toute la profession. Et dans ce bouquin, donc, tu introduis le paysage avec ces trois mots qui sont parler, aimer, créer. Et donc, je pense que c'est un peu le fil rouge aussi de ce livre que tu as fait avec Garden Lab, qu'on aura aussi l'occasion. Donc, c'est le fil rouge de notre conférence ce matin. Ce bouquin, Changer de mode de ville, qui a été fait avec Garden Lab, qu'on aura aussi la chance d'accueillir à la tribune tout à l'heure pour nous présenter cette revue magnifique. Et je présente ici ce bouquin très important que tu avais publié il y a quelques années, qui s'appelle « Jouir du paysage », qui a aussi beaucoup marqué notre profession. Merci à toi. Bonne conférence. Ben, merci Béatrice, merci Adrien et merci toute l'équipe aussi de ProUrba d'avoir poursuivi cette initiative que j'avais eue en 2008 de réussir à libérer une salle de samedi matin pour que les paysagistes puissent s'exprimer. Évidemment, je me suis rendu compte que c'était absolument nécessaire parce qu'il n'y avait aucune tribune nulle part où le paysagiste pouvait parler, pouvait échanger. Et c'est pour ça que j'avais appelé aussi « expérience » avec un S entre guillemets, parce que c'était l'expérience du paysage dont je voulais parler et je voulais faire état, parce que je me rendais compte à l'époque que les grands paysagistes, Sgarr, Simon, partaient. Et ils n'avaient pas légué leur expérience propre. Et c'était vraiment triste. Donc les premiers numéros d'expérience de paysage avaient eu pour objet justement de faire un bilan de leur pratique professionnelle, notamment l'expérience des espaces verts, par exemple sur les grands ensembles, échec, pas échec, succès, Bourne était venu, tous les grands paysagistes, il y a Courageau qui est venu, Lassus est venu, tous les grands paysagistes sont venus, et j'en suis très heureux, surtout très heureux que Béatrice et Adrien poursuivent ce travail qui demande beaucoup d'énergie. Donc, je suis venu, donc j'ai regardé tout à l'heure, ce matin, quand est-ce que j'étais venu ici, à l'Arsenal. C'était en mars 2014, la dernière fois. Et en mars 2014, je suis venu pour faire un peu un bilan des 40 premières expériences de paysage. Donc, j'ai donné la clé USB à Béatrice, sur laquelle j'avais essayé de visionner ces 40 numéros, et en faire un peu une synthèse. Et ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est continuer. Donc il faudrait recommencer, peut-être que je pourrais refaire une séance comme ça, pour faire un peu une synthèse de l'ensemble du travail, des messages qui ont été donnés par les paysagistes, et dont il faut en effet réussir à constituer une théorie. Pourquoi j'écris ? Parce que je pense que les paysagistes ont besoin de théorie, d'une réflexion généralisante, on pourrait dire, pas évidemment d'expérience locale, d'expérience. Mais ils sont tellement le nez dans le guidon tous, et ils bossent tellement beaucoup, n'est-ce pas Sophie, n'est-ce pas tous les jeunes paysagistes qui travaillent, savent très bien, et du coup ils prennent pas le temps de prendre ce recul qui est absolument nécessaire pour pouvoir généraliser et constituer un corpus, je dirais, de pensée opérationnelle, bien sûr, qui leur permette d'exister réellement. Si les paysagistes ne créent pas une théorie vraiment du paysage, très constituée et très opérationnelle, on aura du mal vis-à-vis des architectes qui sont très très nombreux, des urbanistes qui eux produisent de la théorie. Donc je pense que c'est très important. Donc moi je dis toujours ce que je voulais montrer dans ce livre, donc ce livre qu'a montré Béatrice, que Garden Lab a édité, ils font un très beau travail d'ailleurs, Garden Lab toujours, a édité, c'était un peu de faire le bilan. Sur ce livre-là, j'avais fait un bilan un peu de toutes mes idées et un peu sur la phénoménologie du paysage. Alors, à la fin, j'ai mis tout un tas de... Il y a deux pages de néologisme que j'avais inventé qui correspondaient justement à une phénoménologie. Pourquoi ? Parce que le paysage, on pourrait imaginer qu'on constitue une science du paysage.
cette science du paysage, ce n'est pas du tout la science de l'environnement. C'est en effet la science de la relation sensible, qui elle est faite à la fois de psychologie et à la fois de culture, et à la fois d'environnement, de nature. Et donc, c'est pas juste l'environnement, le paysage, évidemment, c'est pas du tout l'environnement, c'est pas du tout le territoire, c'est ma relation sensible et culturelle à l'environnement. Donc, on pourrait constituer ce que j'ai commencé un peu à tenter, réaliser une science du paysage de façon à donner vraiment des outils de conception, de création aux paysagistes et qui soient très opérationnels et pertinents par rapport à la question du paysage. Donc, ça, c'est un peu ce. Tout azimut, je suis parti un peu dans tous les sens dans ce livre. Bon, j'en ai plein d'exemplaires encore à la maison. Si vous en voulez, vous me téléphonez. Je voulais vraiment pas cher, hein. À 25 euros le livre. Mais j'en ai encore plein et il y a 400 pages, donc j'ai un peu tout mis dedans, mais bon, je me suis régalé à écrire. Donc celui-là, c'est plus succinct, hein. C'est plus succinct et il se concentre beaucoup plus sur l'espace vraiment de la ville et savoir comment est-ce qu'en effet, nous paysagistes, on peut avoir un regard vraiment différent des... Moi, je dis toujours, je veux pas être urbaniste. J'ai fait une conférence une fois au CSTB, où j'ai moi, pas urbaniste. Parce que, bon, tout le monde se revendique urbaniste, mais moi, je veux pas l'être. Moi, je considère que le paysagiste, il a son droit de cité, au sens propre du terme, et on a un discours, on a une attitude, on a une approche de la ville radicalement différente d'une vision architecturale ou vision urbanistique. Donc, c'est cette fameuse vision sensible, en un seul mot, parce qu'à l'école, quand on parlait du sensible, on disait en deux mots. Non, pas en deux mots, non, en un mot. Et donc, le sensible, c'est-à-dire culturel, et à la fois une approche physique. Alors, je dis toujours, mesurer le paysage, c'est s'y mesurer. Je dis souvent aux étudiants. Et c'est exactement ce que j'ai fait là. C'est-à-dire, je me suis mesuré, au bout du compte, aux villes. Je me suis mesuré à l'espace des villes, aux environnements des villes. Et j'ai essayé de mesurer ce que ça pouvait me donner comme émotion, comme présence, comme réalité, et pas seulement une analyse, je dirais, spatiale, technique et quantitative, mais une analyse qualitative. Je prends souvent Pierre Sansot comme référence, qui a réalisé une sociologie qualitative par son approche sensible, en effet, de la France, par son approche sensible de l'environnement. Donc je dis aussi, l'ici même et l'ailleurs de l'ailleurs, c'est-à-dire qu'en effet, l'exploration de l'ici même pour nous est une grande richesse puisque c'est à partir de l'ici même qu'on va produire des projets et remembrer la ville par le paysage, c'est le troisième aphorisme, mais que je répète régulièrement, remembrer la ville par le paysage, c'est parce que je considère que la ville a été démembrée par la fonctionnalité, notamment la bagnole, par la machine. Donc, et remembrer la ville par le paysage, c'est remembrer la ville par notre relation humaine, chaleureuse à l'espace de la ville. Et puis, je dis, oui, le paysage est la dimension jouissive de l'environnement. Alors ça fera plaisir à Sylvie, mais je parle de jouissance. Et c'est pour ça que là, je dis jouir, c'est un jeu de mots, jouer, jouir. Parce qu'en effet, pour moi, c'est essentiel de savoir jouir d'abord du paysage pour pouvoir en jouer ensuite. C'est ce qu'on... Jacques Coulon connaît bien. Donc, on a... donc, la présentation, justement, c'est en trois chapitres que j'ai fait ça. Donc, l'usage du paysage pour changer de mode de vie, donc de ville. Parce que je considère, en effet, qu'aujourd'hui, la problématique écologique, principalement, est liée à notre mode de vie, principalement. Donc, si la ville pouvait offrir d'autres manières de vivre que ne l'offre aujourd'hui, puisqu'on est obligé de fuir souvent la ville pour prendre l'air, pour aller à la campagne, à la mer, etc. Est-ce que la ville aujourd'hui, grâce au paysage, peut nous offrir des espaces, des lieux qui nous permettent d'y rester plus, d'en jouir plus, d'avoir une autre vie dans la ville que celle qu'on a aujourd'hui? La ville héritière du 19e siècle est une ville fonctionnaliste, hygiéniste, est une ville... Est-ce qu'on ne peut pas inventer une autre ville plus jouissive, tout simplement, qui nous permettrait en effet d'avoir une économie d'énergie plutôt que de partir tous les week-ends à la campagne, rester là et profiter de la ville. Alors ça, j'ai des exemples de villes qui le permettent, ça. Ensuite, l'exploration gourmande des villes, c'est parce qu'en effet, j'ai parcouru un peu le monde entier pour travailler, pour visiter. J'ai beaucoup marché dans les villes. Principalement, ma pratique des villes est piétonne. Et dans les villes du monde, j'ai fait des milliers de kilomètres, sans doute. Quand j'avais 20 ans, j'avais fait le Tour de France à pied. Et là, j'ai continué à faire un peu le tour du monde des villes à pied. Et puis, les enseignements et applications concrètes. Donc, ça, c'est un peu des exemples. Je vous montrerai, que vous connaissez sans doute, mais qui ont été publiés, mais des exemples de réalisations que j'ai faites. Et je terminerai par, justement, des éléments de pratique
Qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveaux éléments de pratique? Parce que pour laisser la main ensuite à ProUrban, n'est-ce pas, qui nous aide véritablement dans ces manifestations, dans ces rencontres. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on pourra terminer sur ça. Donc là, ça c'est la couverture du livre que vous venez de voir. Ça c'est à Nice. Alors, vous savez que j'ai travaillé à Nice. Bon, c'est chez Metoff qui a pris ma suite. Hein. Bon, j'aurais bien continué, mais bon. Et donc j'ai trouvé dans des éditions de Nice ces citations qui sont sorties de ce bouquin-là. Donc vous pouvez mettre le travail du paysagiste sur la ville consiste plus encore qu'à lui donner du vert. C'est à lui donner de l'air, ça c'est du vent, du lointain. Bon, Jacques est là, il a parlé de l'air la dernière fois, ce qui était très intéressant justement, et ça reprend un peu cette idée-là. Il la regarde, il y cherche des fenêtres, certaines lui parlent du ciel, des collines lointaines, de la mer, mais aussi de la terre et des formes merveilleuses de la vie. Donc en effet, c'est ce côté, moi pour moi le paysage, ça m'a émerveillé, ça continue à m'émerveiller, et j'essaie de transmettre cet émerveillement face à la multiplicité du milieu de vie dans lequel on se trouve. Donc c'est exactement ce discours-là, cette histoire-là que j'essaie de raconter. Donc moi ce que je dis, c'est que pourquoi la ville paysage? Donc Garden Lab a repris ce thème et créé une édition, une collection autour de la notion de ville paysage. Alors, est-ce que c'est une notion bateau? Il y avait la ville jardin, tout ça. Donc j'ai voulu sortir du côté ville jardin, vraiment jardinage. Pour dire, en effet, la ville-paysage, un espace plus étendu. On parlait de la Seine la fois dernière, aux dernières expériences de paysage. Évidemment que le côté géographique, le côté la dimension, les horizons, font qu'en effet, on rêve d'une ville-paysage pas seulement d'une ville-jardin, je dirais. Donc ça, c'est important, surtout que c'est le concept d'architecture. Et là, je disais tout à l'heure, je voulais vous dire que c'était important qu'on théorise, c'est absolument essentiel, parce que c'est le concept d'architecture qui a présidé à l'établissement des villes, à l'organisation des villes. Paris, les rues, c'est comme des couloirs, les places, c'est comme des salles de bal, des salles de réception, et tous les concepts, et les façades, c'est comme des cloisons. Donc je pense que la ville paysage, elle pourrait utiliser vraiment notre concept d'organisation même de l'espace, du territoire, très différente. Surtout que ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ville et campagne, vous savez bien. C'est-à-dire que beaucoup d'urbains habitent à la campagne et beaucoup de campagnards, même d'agriculteurs, habitent en plein centre de Paris. Donc on a une mixité, on n'a plus vraiment une dissociation. La ville objet dans le territoire, c'est fini. C'était une ville citadelle. Aujourd'hui, la ville s'étend et elle s'étend d'une manière totalement informe. Donc on sait très bien que c'est plutôt un territoire plus ou moins dense. Et cette notion même de ville-territoire, je dirais, mon objectif, ce serait de faire évoluer la ville-territoire vers la ville-paysage, puisqu'en effet, ça, ce serait un enjeu. C'est-à-dire dire qu'il n'y a pas seulement de l'organisation économique, des enjeux financiers, des enjeux d'occupation de l'espace, mais il y a aussi des enjeux culturels, sensibles, sur l'espace organisé. Donc comment est-ce que ces objets culturels sensibles peuvent intervenir dans la conception de la ville future? C'est exactement ça mon objet, c'est exactement ça mon problème. Donc, vous savez, alors j'ai mis quelques citations parce que Boris Cyrulnik, on en parle beaucoup en ce moment, mais bon, j'ai un peu lu tous ses bouquins, mais donc il dit agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc je me dis, ah ouais, nous les paysagistes, c'est super, c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on agit sur le milieu qui agit sur les gens. Et en effet, je me suis dit, c'est vraiment le thème de mon bouquin, on vous dit compte, c'est de se dire, bon, mais le milieu peut en effet changer les comportements. Et peut en effet avoir des comportements plus écolos, au bout du compte, plus durables qu'ils n'ont été jusqu'à présent. Alors je vois sur Nice l'expérience que j'ai eue, c'est la promenade du Paillon, qui a fait que les gens se sont mis à marcher dans la ville. Waouh ! Je me suis dit, tiens, mais ça je vais faire un livre sur comment marcher, réapprendre à marcher. Ça c'est un grand projet, réapprendre à marcher. Donc la promenade du Paillon m'a montré qu'en effet, en changeant un milieu de vie, en lui donnant plus d'attractivité, plus de sensualité, plus de jouissance, on pouvait en effet changer les comportements des urbains qui jusque-là prenaient toujours leur bagnole tout simplement pour aller d'un point à un autre. Donc ensuite, le paysage comme expérience sensible, c'est ce que je disais, mesurer le paysage, c'est s'y mesurer, c'est-à-dire que c'est vraiment une expérience physique aussi, c'est pas seulement un concept d'environnement physique, un espace concret. Donc c'est pour ça qu'il associe une approche culturelle et environnementale. Voilà, donc c'était ne plus détruire la terre précieuse. En ce moment, je travaille sur Bordeaux. C'est intéressant parce qu'ils ont un concept de zéro artificialisation nette, un ZAN.
et qui dit que voilà, il faudrait arrêter d'artificialiser les terres autour des villes. Évidemment, tous ont dit la même chose. Hein. Et malheureusement, comme les villes ont tendance à héberger de plus en plus d'habitants, il faut trouver une solution. Donc, on pourrait densifier mieux les villes. Alors là aussi, c'est pareil, mon exploration des villes le montre. On pourrait densifier mieux les villes tout en les gardant plus paysagères, on pourrait dire, tout en leur gardant plus d'espace, plus d'air, à condition de le concevoir, cette question-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une ville à la fois plus dense et plus naturelle, naturelle signifiant environnementale, parce que le mot nature, évidemment, tout le monde sait que c'est un mot très difficile à utiliser. Donc là, c'est intéressant parce que on a, au niveau de l'école du paysage, j'ai eu la chance, et je crois que beaucoup de ma génération ont eu cette chance-là, Jacqueline Osti, Alfred Peter, l'agence Terre, Desvignes, ces gens-là, ces trois promos, et ils ont eu la chance d'avoir à la fois Corajou, à la fois Bernard Lassus et à la fois Gilles Clément comme professeur. Ça, c'est alors trois visions radicalement différentes, puisque Corajou et Lassus se disaient anti-écolo, Clément, ensuite, il a tenu un discours, il nous faisait des... Mais c'était vraiment passionnant parce que ça nous a montré, au bout du compte, moi j'ai adoré les trois, en fait. Hein. J'ai toute ma vie, en fait, j'ai été un peu à la recherche de cette complexité, de cette pensée complexe, et de se dire qu'au bout du compte, comment je pouvais faire pour faire ce que l'enseignement de Lassus, qui était vraiment un enseignement très théorique, pour le coup, très lié aux arts plastiques, plus que, évidemment, à la nature. Lui, il ne parlait pas de nature. Et Corajou, de son côté, sur la ville, vraiment, et Clément avec un discours sur la nature, justement, lui. Et comment ça, ces trois choses qui étaient plaisantes et qui étaient en même temps des éléments de qualité de cette pensée paysagère pouvaient être réunis. C'est pour ça que je me suis mis à faire cette espèce de tableau, vous voyez, que j'ai mis dans mon bouquin ici, que j'ai repris dans le dernier, que j'ai montré, et qui était une manière de synthétiser, au bout du compte, les méthodes d'approche de la question paysagère, de la question du paysage, les méthodes d'approche avec une idée qui était de me dire, au bout du compte, en effet, il y a des modes d'action pour le paysage qui vont du dire au faire. Parce qu'en effet, et c'est la chose qu'il disait, on peut parler d'un paysage, raconter un site, et c'est faire du paysage aussi. Parce qu'on transforme son mode de représentation, son mode de regard. Et ça, on le sait. On le sait bien que même juste découper un morceau de territoire sur un, on sait bien sur les parcs naturels, tout ça, découper un morceau de territoire, ça crée une valeur paysagère qui n'était pas forcément auparavant. Donc, dire, c'est une manière de faire du paysage, on pourrait dire. Et puis, faire, évidemment, quand on y va avec des bulldozers, évidemment, quand on change d'environnement, on change de paysage. Ça, c'est un fait. Et puis ensuite, je me disais, mais quelles sont les raisons d'agir? Et je me disais, les raisons, en fait, elles vont d'un pôle utilitaire, totalement fonctionnel, je dirais, à un pôle symbolique, totalement artistique, on pourrait dire. Et moi, je vogue là-dedans. Donc, j'ai croisé, au bout du compte, les raisons d'agir et les modes d'action. Et en effet, et j'ai essayé de remplir les cases ensuite, donc c'est un exercice personnel, hein, mais qui me permet en même temps, vis-à-vis des étudiants, de montrer aussi l'étendue de leur moyen d'agir sur le paysage. Quand je dis qu'en effet, écrire Pagnol, Giono, Colette, Tesson, Kaufmann, ben, ils ont un impact sur le paysage considérable. Hein. Quand on va à Pagnol, si vous allez autour de Marseille, des terrains qui n'avaient aucune valeur, ça a pris de la valeur. Et Giono, c'est pareil, dans l'arrière-pays provençal. Donc, ils ont eu un impact considérable sur le paysage, juste en racontant ces lieux, ces sites, et ils les racontaient sous le mode du paysage. Et puis, si on est juste fonctionnaliste en disant, on fait un rendu, juste un rencontre. Voilà. Donc ça, ce tableau-là, il est dans ce livre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous le regarderez. C'était... Donc, je regarde le temps en même temps. Je me suis amené une horloge pour voir le temps. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai dû une heure, pas plus, hein. Mais dans les explorations des villes, donc j'ai visité des centaines de villes, bon, j'ai bourlingué pas mal, et en fait je les ai rassemblées, vous voyez, en six grands thèmes, comme ça, pour vous le présenter. Dans le livre, je ne l'ai pas présenté comme ça, dans le livre, j'ai montré chacune des villes, enfin chacune, pas toutes les villes, j'ai sélectionné une quinzaine de villes, dans lequel je dis, voilà, j'ai visité Tallinn ou j'ai visité New York et j'ai compris que, en effet. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte, alors vous voyez, je me suis rendu compte que j'avais un regard, j'y allais avec des copains archis souvent, je partais en voyage, encore, en Inde, à New York, bon, en Chine, bon, pour travailler, mais avec des archis, et je me rendais compte qu'ils ne voyaient pas du tout la même chose dans les villes que je traversais, tout simplement. Ils ne voyaient pas. Ils n'avaient pas les mêmes attraits.
Et c'est vrai que je me suis souvenu aussi de l'enseignement des situationnistes avec les dérives, les plans psychogéographiques. Les situationnistes ont été pour moi aussi très inspirants parce qu'ils ont, ils avaient inventé l'urbanisme unitaire, si vous vous souvenez, il y a longtemps, dans les années 60. Mais cet urbanisme mettait en premier la perception humaine, la perception des gens, plutôt qu'une espèce de vision technocratique sur la ville. Donc c'était d'abord leur expérience, que je dis mesurer le paysage, c'est s'y mesurer, c'était d'abord leur expérience qui avait de l'importance, au bout du compte. Et ça, c'était vraiment une pensée de, qui a été reprise en 68, mais qui n'a jamais vraiment été poursuivie. Donc, et j'ai mis ces différents grands thèmes que j'ai rassemblés, les failles et les entre-deux, les grandes villes, dans les villes que j'ai trouvées, la présence topographique, évidemment la topographie, l'impact topographique, les jaillissements ou les trous épars, les horizons, l'échelle cosmique, le ciel, le soleil, évidemment, dans la ville, l'échelle cosmique, on sait très bien, on en parlait encore avec Jacques Coulon la dernière fois, une rue est-ouest ou une rue nord-sud, ça n'est pas du tout la même rue. Et ça, on le voit très bien, par exemple, à New York, où on voit que les grandes rues de prestige, elles sont nord-sud, donc elles sont soleil, et les rues techniques, elles sont est-ouest. Et ça, dans la plupart des villes, on peut le repérer très bien. Donc ça, c'est justement, je vais à Manhattan avec des copains archi, il y a quelques années, et puis, eux, ils regardent les bâtiments, quoi. Ils regardent les bâtiments. Et mais je dis, mais c'est, les bâtiments, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en effet, ça, c'est Rem Koolhaas qui avait parlé de la trame new-yorkaise dans New York Délire. Et même Rem Koolhaas, lui, qu'est-ce qu'il y voit? Lui, il y voit une trame qui permet d'ordonnancer un peu la folie architecturale. Donc lui, il y voit sa folie architecturale. Mais moi, j'y vois pas du tout la folie architecturale dans la trame. Ce que je vois, c'est que dans les rues de New York, on voit la campagne. Au bout. C'est-à-dire qu'on a l'Easton River et la l'East River, qui sont au debout et qui créent un vide extraordinaire. Et du coup, on a vraiment, grâce au système de la trame, tout simplement, on a un système qui nous fait descendre le ciel jusqu'au trottoir, bien qu'on soit entre des tours de 300 mètres de haut. Donc, les failles entre deux, vous voyez. Donc, j'ai fait des centaines de photos uniquement du vide et uniquement de l'air. Vous voyez. Et donc, je me suis... Et là, on voit Don sur Central Park. Il n'y a rien qui vient boucher cette vision ici. Donc, vous voyez, je me suis amusé à inverser, au bout du compte, quand on inverse la faille, on retrouve une tour à la new-yorkaise. Je l'ai inversée, j'ai joué avec Photoshop. Vous voyez, ça c'est une faille. Et ces failles, elles sont essentielles pour bien vivre Manhattan. Quand on est au milieu, pourquoi on n'est pas écrasé par les tours? Et grâce à ça, grâce à ces failles. Et malheureusement, il y a un Français, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Le Corbusier, qui est allé là-bas pour construire les bâtiments d'ONU et tout ça. Vous savez, les grands bâtiments. Alors lui, il ne les a pas vraiment fait, mais il les a implantés. Il les a implantés à la française. C'est-à-dire qu'il a foutu son objet architectural dans l'axe. Ce qui est un contresens. Alors pour le coup, là, je parle de paysage. C'est un contresens. Et vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Tout d'un coup, on est étouffé dans la rue parce qu'il a bourré le bout de l'axe qui devait donner sur la rivière. On voit presque des vaches dans les autres, au bout des axes. Et ça, je me suis dit, purée, en effet, j'ai pas une vision d'architecte. Et ça, c'est San Francisco, c'est pareil. Les failles de San Francisco, alors ça, c'est, vous connaissez tous, c'est la Lombard Street à San Francisco, où on monte entre les hortensias en zigzag. Ce qui est intéressant, c'est là aussi, c'est qu'il y a une vision, une faille, c'est-à-dire que c'est vraiment une faille qui va au lointain. Alors, et ça, c'est essentiel. Alors, je vois sur Paris, Haussmann en a fait quelques-unes, et malheureusement, je vois sur l'avenue de France, il y avait possibilité de faire une faille, ils ont bourré le bout avec des bâtiments. L'axe, alors qu'on avait de l'air, on pouvait donner de l'air, et tout d'un coup, ça s'est retrouvé fermé de nouveau. Voilà, San Francisco, c'est quand même assez intéressant aussi de voir le travail des rues comme des failles et des continuums, et les ambiances, en effet, qu'on retrouve à l'intérieur de ces rues, qui sont quand même assez exceptionnelles. Ça, c'est Santa Barbara, mais c'est pareil. Ensuite, il y a un autre... Donc, dans les failles, il n'y a pas seulement de l'air, il y a de l'eau, par exemple. Alors, Stockholm, quand vous allez à Stockholm, une ville archipel, c'est quand même une ville magnifique, parce que c'est une ville où les îles, ce sont les quartiers, et les îles sont thématisées. Donc, on voit dans cette image, et on voit que la mer rentre partout, et qu'au bout du compte, ce système d'archipel, ça peut marcher. Voilà, ça peut marcher. Donc, vous verrez, après, ça me donne des idées, en effet, sur la ville du futur. C'est-à-dire que ça peut marcher, et en même temps, c'est extraordinaire, parce que chaque quartier, en effet, devient une espèce de bateau, et en effet, on peut traverser la ville... Voilà, on arrive sur la ville de Stockholm, c'est pas, il faut arriver par la mer, mais quand vous arrivez par la mer, c'est quand même un moment fantastique, où on traverse des îles, des milliers d'îles, c'est extraordinaire. Et petit à petit, les îles s'urbanisent. Vous voyez, elles s'urbanisent pour arriver à la ville.
Donc les grands vides, ça c'est le second thème, vous voyez, j'essaie de pas trop traîner. Donc les grands vides. Les grands vides, ça c'est Tokyo. Alors, pour relire Roland Barthes là, pour Tokyo. Quand vous lisez Mythologie de Roland Barthes, il parle de Tokyo, il est fasciné par le Japon, il a écrit pas mal sur le Japon après. Il dit, mais c'est incroyable, le centre-ville, c'est un centre vide, au bout du compte. C'est-à-dire, c'est un grand vide, c'est le palais impérial. Donc vous allez à Tokyo, et en effet, c'est absolument génial. Il y a une densité, cette ville est d'une densité dingue, et au centre, il y a un immense vide. Et il y a un autre parc, qui n'est pas le palais impérial, qui s'appelle le parc du Edo, c'est l'ancien Tokyo, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est, il fait 150 hectares, c'est un lac. En plein centre de Tokyo. En France, on dirait, mais ils sont fous. Il faut faire des terrains de foot, il faut faire des trucs pour bouger. Les gens, ils ont besoin de bouger. Il faut tout remblayer et faire des espaces d'activité. Non, là-bas, c'est un vide. Les gens se sont installés sur une fine ligne face à ce vide. Ben ça, c'est un enseignement aussi. Alors, c'est japonais, hein, c'est pas les Français, hein, mais ça fait rien. C'est quand même... Ça laisse... voilà. Le parc du Edo, vous voyez, ce grand vide... C'est un lac. Alors, celui-là, c'est pas le parc du Edo, d'ailleurs, parce que vous voyez, c'est boisé. Le parc du Edo, c'est vraiment une fine bande qui est tout autour, de boisement, autour d'un vide. Ensuite, les grandes villes, Madrid, par exemple. Madrid aussi, c'est un exemple extraordinaire. C'est le palais royal, ça. Vous ne connaissez pas Madrid, il n'y a pas très longtemps que j'y suis allé. Et en effet, on se rend compte que ce palais royal, il n'est pas face à la mer, il n'est pas face à la rivière, il est face à une forêt. Une forêt, pour le coup, moi, je ne suis pas trop pour les forêts urbaines en ce moment, tout le monde se gargarise avec les forêts urbaines. Mais là, pour le coup, ça a du peps, parce que vous arrivez sur ce balcon et vous avez à l'infini cette immense nappe de végétation. Vous allez voir, voilà. Et ça, c'est le plein centre de Madrid, c'est le plein centre, hein, l'hypercentre. Hein. Alors, il y a un téléphérique qui part du centre, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller très très loin dans la forêt par le téléphérique. Et là, vous avez une canopée, là, pour le coup, qui vient buter contre le palais royal. Et qui est faite de cette mer de pins parasols, qui est absolument magnifique, et où il n'y a rien. Voilà, où il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment aussi l'idée que le vide est possible, des grands vides sont possibles au centre-ville. Exemple, autre exemple, Hangzhou. Hangzhou, je le dis très mal, hein, s'il y a des Chinois dans la salle, non. Mais Hangzhou, c'est une ville fascinante. C'est l'ancienne capitale de la Chine, l'ancienne capitale, qui est pas loin de Shanghai. J'ai travaillé là pendant un temps. Et en fait, il y a un lac artificiel qui a été créé. Il y a le fleuve jaune qui passe à côté, qui est gigantesque. Le fleuve jaune, il ne fait même pas partie du paysage pour vous. Ça, c'est un truc, il n'approche pas parce que ce sont des fleuves très dangereux. Ce sont des grandes zones de boue, etc. Donc, mais c'est immense. Hein. Mais en fait, ils ont recréé un lac de 350 hectares qui s'appelle le lac de l'Ouest, que vous devez connaître de nom au moins. Le lac de l'Ouest, qui est un immense lac artificiel, qui vient buter contre les collines en fond sur lesquelles ils cultivent le thé. Donc ils ont conservé les collines, et toute la ville moderne s'est construite sur un front à l'est du lac de l'Ouest, et ce lac-là, il est très peu profond, il fait un mètre de profondeur à peu près, mais ça fait rien, c'est un lac extraordinaire qui organise la ville. Alors là, la ville... Alors, on va voir le... Voilà, ça c'est quand même des vues, alors des paysages classiques, je dirais, chinois, c'est-à-dire qu'on constitue... Ça c'est complètement artificiel... C'est-à-dire, on constitue un paysage à la chinoise. Hein. Vous savez très bien que les peintres... Entrez. On vous a reconnu, hein, malgré votre masque. Et on a... C'est un paysage complètement artificiel qui est constitué pour créer un paysage classique chinois, c'est-à-dire shang shui, vous connaissez, montagne et eau, le rapport entre la montagne et l'eau. Et donc, la ville regarde un paysage classique chinois. Voilà. Et ça donne de la culture à un site extraordinaire. Et vous voyez, voilà, les Chinois sont là. Alors, dans les années 50, quand même, ils ont construit ce bâtiment. Après, ils ont arrêté. Ils ont dit, bon, on est en train de massacrer. Et donc, ça s'est complètement arrêté. Mais au début, dans les années 50, ils ont commencé à construire des bâtiments de touristes, qui est toujours là. Mais c'est le seul, parce que je sais très bien que ça a été ensuite arrêté. Et tout le fond du lac est conservé avec des vieilles villas chinoises. Et tout un paysage qui est conservé, qui fait même l'identité de la ville. Ce lac de l'Ouest, très très connu. Après, il y a une chose aussi très très extraordinaire, c'est en Inde, c'est la mousson. C'est-à-dire que les grands lacs hindous en Inde sont des lacs aussi artificiels, qui sont des barrages. Donc ça, c'est Udaipur, je ne sais pas si vous connaissez, Udaipur en Inde. Donc ça, j'ai eu la chance le jour où j'y suis allé
parce qu'il y a eu une mousson assez importante, mais il peut y avoir des années où il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus du tout d'eau. Donc il y a le grand palais ici, qui est le palais qui flotte sur l'eau, ce sont des grands palais qui sont sur l'eau, ben, ils sont à sec. Donc il y a une fluctuation extraordinaire de l'eau. Et l'eau est une mesure du temps. C'est pour ça que je mets une mise en scène du temps. Le niveau de l'eau est une mesure du temps. Et ça, c'est pareil. C'est comme vous avez vu le Hangzhou avant. Cette scénographie, elle est constituée, elle est très intéressante parce qu'on se rend compte que toute l'architecture, c'est en fait le barrage. C'est le barrage. C'est-à-dire que vous voyez ici, ça c'est le barrage. C'est le barrage de l'eau. Ils ont construit les palais des Maharajas. La ville s'est construite sur les barrages. Quand vous allez ici, vous descendez de 20 mètres d'un coup. C'est-à-dire que l'architecture sert à tenir l'eau. Et ce qui est intéressant aussi en Inde, c'est qu'en fait, il y a une architecture en négatif, parce que c'était aussi une architecture pour retenir l'eau. Et donc là, on voit qu'il y a des fosses gigantesques qui sont les ghats, des grands ouvrages, où on ne voit pas du tout cette architecture de l'extérieur. On se balade dans un parc, tout d'un coup, il y a des fosses immenses qui sont des architectures magnifiques, et qui sont des anti-objets là aussi, qui sont des architectures complètement du creux, du vide, qui sont faites à l'origine, maintenant ils ne le font plus, mais à l'origine pour recueillir l'eau de la mousson et pouvoir l'utiliser ensuite dans les périodes sèches. Vous voyez comment c'est ces architectures, vous voyez comment on est grand là-haut. Donc, et c'est des architectures absolument fabuleuses qui ont été rénovées à la fin du 19e siècle, je pense, et puis ensuite qui ne sont plus utilisées parce que l'eau était absolument dégueulasse, parce qu'en fait, elle s'accumulait, elle drainait toutes les rues des villes, toutes les rues de la ville arrivaient ici, donc il y avait tout un réseau hydrographique qui alimentait, qui remplissait les bassins, qui se vidaient petit à petit. C'est pour ça qu'il y a ces marches. Mais je ne vous dis pas comment l'eau devait être... bon. Donc ça a été vu... Les Anglais l'ont ensuite interdit d'usage. Mais par contre, on voit ce type d'architecture absolument magnifique à l'intérieur des villes. Et puis ça, c'est Stockholm. On revient sur Stockholm, et c'est sur les grands vides de Stockholm, donc non plus la ville archipel, mais je dirais la ville nature, entre guillemets. Ce sont des espaces extraordinaires à l'intérieur de la ville. Vous voyez, ça c'est dans la ville. Ça c'est dans la ville. C'est de l'eau douce, hein, c'est pas de l'eau salée, ça c'est de l'eau douce. Ce sont des étangs. Et vous voyez les amoureux qui sont là, les gens viennent. Je me dis, purée, en effet, on n'a pas besoin de prendre sa bagnole pour aller à 200 km. À Stockholm, on y est allé, avec Margarita, on y est allé en bus. Là, on va en bus du centre de Stockholm. On y va en bus, on descend du bus et on arrive là. On se dit, purée, c'est dense Stockholm, hein. C'est une ville dense. Et là, il y a des petites maisonnettes. Les gens viennent camper, il y avait des Françaises qui étaient là. Les gens viennent camper pour le week-end. Je me dis, mais voilà, il faut qu'on puisse camper dans les villes pour le week-end. Donc je vais essayer de leur proposer ça à Bordeaux, on va voir. Mais... non mais sans rire, je vais essayer. Ça c'est des chiottes, vous voyez, sèches. Elles sont super jolies, ça c'est pour Pro-Urba. Non mais elles sont géniales. Et les grands vides, ça peut être un échec cuisant. C'est-à-dire aller à Brasilia, vous allez voir, c'est terrifiant. C'est-à-dire que là, c'est le concept des urbanistes de Niemeyer. Bon, le père Karl Marx, il a fait des trucs très jolis au pied des immeubles, mais il a absolument rien fait sur les grands espaces de paysage, justement. Et là, on voit Brasilia. Vous voyez, là, vous la connaissez tous, la cathédrale de Brasilia. Ben, c'est un objet posé dans le désert. Elle est ridicule quand on la voit dans son espace. Et ça, c'est un peu dramatique. C'est-à-dire que, et c'est un peu comme la Statue de la Liberté à l'entrée du port de New York. Mais elles sont bouffées par leur espace parce qu'on n'a pas vu l'espace. Parce que l'architecte a conçu l'objet, très beau, hein, ça je ne le dis pas, hein, a conçu l'objet, mais pas, il n'a pas vu le territoire, il n'a pas vu la globalité de l'espace, il n'a pas vu le ciel, il n'a pas vu l'horizon. Donc, et là, on se retrouve dans un espace qui est absolument sinistre, terrifiant, il fait une chaleur torride, il n'y a pas un arbre, et c'est le concept d'ouverture au maximum. Donc en effet, le vide peut être, s'il n'est pas traité, peut être un espace absolument repoussoir. Je regarde l'heure. Et puis la topographie. Alors la topographie, j'ai découvert Gênes et Margarita aussi. Et je connaissais pas Gênes et Nice, je connais bien, bien sûr, maintenant. Et je me rends compte que c'est des villes topographiques. Et Gênes, surtout, Gênes, c'est extraordinaire parce que les bâtiments, ils sont coincés contre des collines. On peut y rentrer au cinquième étage, au bâtiment. Hein. Donc il y a un travail topographique. Et sur Nice, il est évident que c'est intéressant parce que vous avez aussi des ballons obscurs. Et ces ballons obscurs, dans Nice, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont justement entre les collines, ce sont des tranchées qui sont faites dans le pouding par les orages méditerranéens, hein, qui ont tranché, mais des endroits très très profonds. On se retrouve avec des fougères, un univers très humide, à l'intérieur même de la ville. Vous sortez du ballon obscur, vous êtes dans le centre-ville. Hein. Et donc ce sont des veines comme ça, naturelles, qui rentrent très profondément dans la ville. Donc la topographie, évidemment que la topographie
est une chose précieuse. Et qui est, alors, sur Nice, évidemment, comme c'est une ville paysagère, on va dire, parce que c'est une ville de villégiature, donc les gens ont cherché à avoir des points de vue, des relations, évidemment, au support, puisque ce n'était pas une ville industrielle. Donc, ça, c'est la colline du château, que vous connaissez sans doute. Voilà. Et là, bon, ça, c'est une entrevue de la colline du château qui descend sur la ville. Et puis, il y a eu le Consiglio d'Ornato. Là aussi, c'est une leçon pour nous. Le Consiglio d'Ornato, c'est au 19e siècle, au 18e, 19e siècle, c'était italien Nice, hein, c'était avec Turin. Donc, tout l'urbanisme de Nice a été conçu en même temps que celui de Turin. Et Nice, c'était vraiment la ville de villégiature. C'est étonnant parce qu'elle a été classée, bon, c'est Ayagon qui s'en a occupé, elle a été classée à l'UNESCO, en tant que ville de villégiature. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une ville hyper dense, alors ça, c'est pour ça que c'est intéressant, une ville hyper dense, c'est des immeubles, mais des immeubles de villégiature. Alors, pour nous, la villégiature, c'est avoir sa petite maison, avoir de la mer, etc. Non. Là, ce sont vraiment des immeubles de 4, 5 étages. Mais par contre, ce qu'avait inventé le Consiglio d'Ornato, c'est de dire, on va faire que ces immeubles soient un peu comme des villas, quand même. Et on a gardé un recul, on appelle ça le recul jardinier du Consiglio d'Ornato, le recul jardinier, qui est une dizaine de mètres qui devrait être végétalisé. Alors évidemment, là vous voyez ce que ça donne. Et là, il y a beaucoup d'exemples. Alors, j'en ai fait toute une série de photos, des centaines de photos de ces reculs jardiniers qui sont très intéressants. Parce que du coup, on passe à travers ce jardin très très foisonnant, très dense justement, et pour arriver à l'immeuble, à son hall d'entrée. Et du coup, on re-scénographie l'immeuble à l'intérieur d'un milieu complètement différent de celui du milieu urbain. Alors, il y en a beaucoup qui ont été bouffés, malheureusement, pour mettre des petites boutiques, des trucs, des machins, parce que les copropriétés les ont vendus. Bon, c'est un peu dramatique. Mais à l'origine, tout, c'est le versant sud. Alors, c'est toujours le versant sud. Le versant sud a un recul jardinier de 10 mètres minimum qui fait qu'on re-scénographie comme une villa un immeuble. Et en effet, on redonne ça. Et ça, c'est vous verrez, quand vous irez à Nice prochain coup, vous verrez, n'allez pas voir le paillon, c'est pas la peine. Allez voir les reculs jardiniers dans les rues. Et on s'en est inspiré, évidemment, pour revégétaliser les rues de Nice, puisqu'on a travaillé sur ça. Vous ne verrez pas de photos. Hein. Et les horizons. Alors sur Paris, j'ai toujours parlé des horizons de Paris, parce que c'est vraiment intéressant. Paris a été conçu quand même avec Haussmann sur un système d'horizons, puisque c'est R+7, les bâtiments haussmanniens, et n'avait droit d'émerger de cet horizon, de ce nouveau sol, que les bâtiments officiels, les bâtiments, soit les cathédrales, soit le Panthéon, donc les bâtiments vraiment collectifs et publics. Donc, percer ce plafond, c'était une valeur, ça avait une valeur symbolique extrêmement forte. C'est pour ça, moi, je comprends très bien qu'il y a un débat sur les tours à Paris. Parce qu'en effet, du coup, pourquoi est-ce que des privés, d'un coup, ont droit d'accéder à ce morceau de ciel qui devait être un morceau collectif et social? Donc, à Pékin, évidemment, à Pékin, vous connaissez sans doute le sujet, c'est le palais impérial, c'est la cité interdite. Personne n'avait le droit de dépasser le plafond de la cité interdite, pour pas voir dedans. Donc, toutes les maisons étaient à l'horizontale. En moyenne, à Pékin, dans le Hutong, vous savez, les Hutong, en plus, c'est intéressant, parce que c'est un système très particulier d'urbanisme. Dans les Hutong, on pouvait pas dépasser. En moyenne, c'était par habitant, chaque habitant avait 4 mètres carrés pour vivre. Dans les maisons, 4 mètres carrés par produit. Donc c'est hyper, hyper dense et pas du tout haut, c'est-à-dire ça restait à ce niveau-là. Les horizons, pour moi, c'est un point très important, évidemment. Donc ça, c'est un mur d'un mouton, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je vois l'heure qui passe. Et puis le dernier point que je voulais parler, c'est évidemment du ciel. Alors moi, Venise, pour moi, c'est d'abord le ciel. C'est le ciel. Donc c'est pour ça que je vous montrais cette photo, parce que j'ai pris surtout des photos du ciel à Venise. Donc. Et bravo Vénitien d'avoir permis ça. Vous voyez, voilà, ça c'est le ciel. Donc, et en effet, sans ce ciel, que serait Venise? Alors bien sûr, quand il y a des énormes bateaux qui font 50 mètres de haut, évidemment, qui bougent tout, ça tue complètement Venise. Donc là, on voit très bien que ce qui est très beau, les grands peintres d'ailleurs qui ont peint Venise ont souvent peint le ciel de Venise. Voilà, donc ça c'est... qu'est-ce que je vous dis ensuite? Voilà. Alors, les enseignements que je vous ai sortis comme ça, là, la densité n'est pas contradictoire avec le paysage. Bon, quand je dis qu'on peut avoir des villes plus denses pour éviter de s'étendre, et c'est pas contradictoire avec des paysages qu'on inventerait. Seulement, il faut les inventer, il faut les créer. On en a vu le recul jardinier, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Une ville hyper dense peut être très aérée, le paysage a besoin de nature, entre guillemets, évidemment, sans quoi il se réduit à un arrangement d'objets. Donc c'était par rapport à l'ASUS qui a organisé ces objets, mais en effet, qui disait pas de nature, pas de nature. En fait, moi, si, il faut de la nature, sinon c'est pas un paysage, c'est juste une vitrine. Mais par contre, il faut savoir arranger les objets. Mais une troisième nature pour rendre compatible avec la société humaine, donc j'ai beaucoup écrit sur la troisième nature, et en effet, c'est évident qu'on peut pas avoir une nature primaire, première, lorsqu'on fait une ville.
Elle peut s'immiscer en mycélium continu dans la ville dense. Voilà. Et ensuite, j'ai mis les veines paysagères à l'échelle d'un territoire peuvent constituer un maillage assemblant des tissus aux densités très variables. Dans ce que je pense que la ville aujourd'hui, c'est plus une ville, c'est un territoire de densité variable. Voilà. Donc, il faut gérer les densités de ce territoire. Et en effet, à l'intérieur de ce territoire, il faut réussir à lui trouver d'autres qualités. Donc, c'est ce que j'ai dessiné ici, ce que j'avais fait ce gribouillis, là, pour montrer, on pouvait imaginer que la ville d'origine, il y avait la nature, donc la forêt, la montagne, et puis des espaces cultivés autour d'un espace fortifié qui était quasiment la ville. Ensuite, actuellement, ben, les villes sont complètement diffuses, sont complètement informelles, avec une nature totalement parcellisée, morcellisée. Et en effet, le futur, ce serait de retrouver ce mycélium dont j'ai déjà parlé, qui permettrait de reconnecter, de réorganiser le territoire avec justement ce jeu d'espace cultivé et d'espace plus sauvage. Donc ça, c'est le dessin que j'avais fait pour le Grand Paris à un moment donné, en réutilisant les autoroutes pour refaire des corridors écologiques. Donc ça, les autoroutes sont toujours des autoroutes aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon. En fait, si on rationalisait un peu le transport, que les gens marchaient un peu plus, prenaient leur vélo, peut-être qu'on pourrait libérer des espaces d'autoroutes, parce que les autoroutes ont massacré quand même toutes les forêts parisiennes. Faut bien se le dire. C'était tellement plus facile de traverser une forêt que de traverser une zone habitée, on comprend. Donc, au bout du compte, c'est génial. Les autoroutes traversent toutes les forêts parisiennes. Donc, en effet, si nous, on reconquiert les autoroutes, on pourra reconnecter toutes les forêts parisiennes. Donc là, ensuite, je vous ai fait quelques animations, là, pour s'amuser. Donc ça, ben, vous connaissez, c'est le Jardin Atlantique, hein, donc c'est la dalle béton pour dire oui c'est possible de traiter une dalle béton de 3 hectares et demi. Voilà, c'est juste avant après, c'est toujours les mêmes images. Et donc ça, je vous dirai pas comment, c'est un secret. Non, mais c'est... ça c'est Biarritz. Donc j'ai pris au hasard quelques animations. Moi, j'adore ça. Alors ça fait un peu, c'était Pascal Cribier qui me disait oui, ça fait un peu comme chez le coiffeur quand t'as le mec qui a pas de cheveux et qui a des cheveux, tu sais, c'est avant après. J'ai dit ben oui, mais nous on fait du avant après. On est transformistes, nous. On n'est pas des vrais créateurs. On est toujours des gens qui faisons de la transformation. Donc pour ça, j'aime bien montrer la transformation. Ça c'est Biarritz. Donc là, il y a un quartier, voilà, avant après, hein, voilà. Oh, le paysage. Ça, c'est Noisy, le grand. Ça, c'est un artiste qui voulait pas qu'on touche à son œuvre d'art. Hein, vous connaissez l'histoire? Tu connais l'histoire, Isabelle? Donc, il voulait pas qu'on touche à son œuvre d'art, qui était devenu un parking. Parce que du temps des villes nouvelles, on avait demandé aux artistes de faire un grand carré de 100 mètres sur 100 mètres. Et lui, il avait gagné. Il avait fait des bandes à la Buren, un peu, tout ça. Il était super content. Et après, la mairie disait, c'est pas possible, c'est devenu un parking, c'est un endroit sinistre. C'est à Noisy-le-Grand, vous voyez, près de l'église. Et moi, j'ai gagné le concours, enfin. J'ai dit, mais ça fait rien. Et l'artiste, il a voulu nous faire un procès. J'ai dit, on touche pas à ton œuvre, on ne touche pas. Et on a fait le jardin sur l'œuvre. Et il y a toujours l'œuvre dessous. Hein. C'est vrai, non mais c'est vrai, Isabelle. Tu connais. J'ai des témoins. Hein. Donc, et l'œuvre, il y est toujours. Ça, c'est Pau. C'est les Louses des Bois à Pau. Ce sont des quartiers très difficiles. Tout était bouché. On ne voyait pas les Pyrénées. Je dis, mais c'est dingue, à Pau, quand même, il y a promenade des Pyrénées. Les quartiers les plus chics qui voient les Pyrénées. On va revoir les Pyrénées. Donc voilà. Et moi, j'ai réaménagé et on a même cassé des immeubles. Et en effet, on a redonné des vues sur les Pyrénées. On a refait une grande pièce d'eau inspirée du Japon, sans aucun doute. Mais en disant, il y a trop d'espaces vides. Ça devenait la zone dans ces espaces vides. Et au bout du compte, il faut que ces espaces vides, ils aient un sens, mais qu'ils ne soient pas investissables et polluables. Donc, cette pièce d'eau est devenue un endroit où les jeunes vont pêcher, tout ça. Et ça, c'est Créteil. Ça, c'est Créteil avant. Là, c'est pour montrer que la ville plus dense et plus naturelle, ça aussi, c'est possible. Ça, c'est la Pointe du Lac. Donc, la Pointe du Lac, j'ai fait le projet d'aménagement du quartier de la Pointe du Lac. Donc, ça, c'était avant. Et maintenant, c'est comme ça. C'est le même point de vue, pratiquement. Donc, il y a énormément de bâtiments autour, vous voyez. Donc, c'est construit, mais c'est aussi... Ben, il y a un rapport entre ben, les plantes, les arbres, les espaces de vie, les espaces de liberté, je dirais, et les bâtiments, qui fait que on n'est pas écrasé non plus par le bâti. Ça, c'est Nice. Ben, vous connaissez, ça, c'était les fontaines néoclassiques de médecins. Et là, bon, j'ai reconstitué ce grand miroir d'eau, justement pour aussi mettre... En fait, c'est un parking, le miroir d'eau, hein, là aussi. Dans le programme, j'ai fait ce miroir d'eau parce qu'ils nous demandaient 8000 m² de parking pour mettre les chars lorsqu'il y a le carnaval de Nice. Et lorsqu'il y a le carnaval de Nice, il fallait qu'ils puissent mettre 8000. Donc, ils avaient demandé un parking à côté de la place Masséna. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas faire un parking. Donc, du coup... Je me suis rappelé du miroir d'eau qu'avait fait Courageau, mais j'avais fait aussi un miroir d'eau à Bordeaux pour le concours que j'ai perdu. Donc on a ben l'idée de mettre 2 cm d'eau. Et ben maintenant, vu l'activité du miroir d'eau, vu
le monde qui s'y presse, évidemment, c'est jamais devenu un parking. Mais c'est en fait un parking. Donc c'est ça qui est amusant, c'est dans notre boulot, c'est la superposition aussi des fonctions, du sens, et que la manipulation du sens est importante. Pour ça, c'est Vincennes sur le RER. Bon, c'est pareil. Bon. Je fais pas de la pub pour ma boutique. Donc je voulais terminer donc par les pratiques, parce qu'en effet, bon, ça c'est à Auteuil. Alors ça c'est la femme d'Yves Pilorge. Il est pas là, Yves Pilorge, qui est un copain paysagiste qui était à l'école avec moi. Et c'est lui qui m'a envoyé cette photo. Alors, je trouvais ça amusant. Bon, c'est un peu spécial, mais c'est assez amusant parce que à Auteuil, on a beaucoup travaillé sur Auteuil pour reconquérir cet espace. J'avais fait un travail sur le bois de Boulogne avant, suite à la tempête, sur la rénovation du bois de Boulogne. Il y a 800 hectares en plein centre-ville. Et là, justement, je me suis posé la question des pratiques. Et je me suis rendu compte, notamment, que la prostitution était liée à la bagnole. D'ailleurs, les mecs, ils descendaient de la Défense avec l'attaché case, ils se faire faire une fantaisie avant de rentrer chez Bobonne, qui préparait la soupe. Non, mais... Et quand je rentrais chez moi le soir, je disais à Christine, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je suis allé voir les putes. Non, mais c'est vrai. Et c'était vrai. Donc, j'étais allé voir comment ça fonctionnait, et en effet, c'était vraiment intéressant. Il fallait comprendre comment ça fonctionne pour trouver des solutions. Je leur ai proposé des solutions, j'aurais dit arrêter toute la circulation au centre du bois de Boulogne. Et j'avais proposé, avec la pure d'ailleurs, une circulation périphérique qui n'était pas très compliquée et qui fallait virer Auteuil, l'hippodrome d'Auteuil par contre. Bon, et une circulation périphérique qui permettait de lier seulement les mamans de Neuilly mettent leurs enfants à Boulogne et les mamans de Boulogne mettent leurs enfants à l'école de Neuilly. Donc tous les matins, les mamans, elles font l'aller-retour. Bon, le soir, c'est les papas et le matin, c'est les mamans. Donc, personne n'a voulu qu'on interrompe l'avenue de la Reine Margot, là. Personne n'a voulu qu'on l'interrompe. Et c'était une solution, en effet, pour vraiment créer une réserve naturelle. Et là, pour le coup, on aurait pu aller camper au bois de Boulogne. C'est-à-dire, si on recréait vraiment un espace magnifique, vraiment, dans le sens d'Alphand, en poursuivant la logique d'Alphand, mais avec une vision beaucoup plus écolo, évidemment. Mais on aurait poursuivi ça et on serait arrivé à un bois de Boulogne fantastique, qui aurait été vraiment une réserve naturelle. Et un lieu de plaisir où on aurait pu passer son week-end dans le bois de Boulogne. Ça avait thématisé les clairières. Bref, ça a été. Du coup, j'avais viré l'hippodrome d'Auteuil, donc je me suis fait descendre, évidemment, par la critique, etc. Mais bon, ils m'ont rappelé pour travailler sur la transformation de l'hippodrome en y faisant une grande promenade qui permet là aussi de relier les portes, la porte de Passy et normalement le bois de Boulogne, c'est-à-dire la grande cascade du lac supérieur. Malheureusement, la maire Hidalgo n'a jamais eu, a poussé la volonté, n'a pas compris que ces liaisons sont essentielles pour la vie d'une ville. C'est-à-dire que, en effet, l'hippodrome d'Auteuil, j'avais proposé de le virer parce qu'il bouche complètement la relation entre Paris et le bois de Boulogne sur 1,5 km. Donc, c'est une clôture fermée. Donc, il fallait le réouvrir. Sauf que j'ai compris. Moi, j'ai commencé à faire ça. Je me suis retrouvé avec des articles dans les journaux et tout ça en me disant, mais il est fou, etc. En fait, j'ai compris que Lagardère, il donnait tout simplement par an 12 millions d'euros à la ville de Paris pour 30 après-midi de course. 30. Donc, 12 millions d'euros. Donc moi, j'avais pas beaucoup de poids face à ça, et donc j'ai fait ma petite allée dans le bois de Boulogne. Bon, alors on continue. Donc voilà, la ville paysage doit permettre de nouvelles pratiques. Évidemment, bon, ça c'est Nice, c'est en plein centre-ville, vous connaissez. Il y a des centaines et centaines d'enfants qui viennent jouer là. C'est très très réjouissant. Enfin, là, on se dit, purée, c'est beau, métier de paysagiste. Parce qu'on plante des arbres, oui, bien sûr, mais aussi parce que on permet quand même d'autres manières de vivre, d'une manière. Ce sont des enfants qui viennent des quartiers nord de Nice. Quand vous y allez à Nice, les mamans, elles viennent, s'installent sous le pavillon qui est là, avec des serviettes, vous voyez, avec le voile, hein, et elles s'installent là, et les enfants vont jouer, ils vont pas à la mer, parce que la mer est infréquentable à Nice. Ce sont des galets, c'est très dur, c'est très en pente, c'est dangereux. Les enfants ne savent pas nager, etc. Ici, c'est pas dangereux, c'est pas dur, c'est pas salé. Et c'est facile d'y aller. Ils se mettent en maillot de bain. Les enfants, les mamans restent sous les pavillons avec les serviettes de bain. Et du coup, on est à 100 mètres de la mer. Hein. On est à 100 mètres de la mer. Et du coup, si vous voulez, c'est réellement une offre d'usage qui n'existait pas auparavant. Donc ça, je crois, nous, paysagistes, on est à... Donc ça, c'est pour après. Donc ça, c'est des flashcodes qu'on a mis, qui ont tous disparu, malheureusement, qui expliquent. C'est-à-dire que on en reparlera après. Hein. D'accord, ça, vous l'avez vu. Ça, c'était Montparnasse. Alors, Montparnasse, c'est pareil. On avait fait un truc qui était... Alors, avec Lorca, c'était l'époque. Jean-Marc Lorca. On avait fait une fontaine au centre qui était une vague.
C'était une vague qui courait, qui faisait le tour de la fontaine et qui marchait très bien, vous voyez, c'était des bouillonnements. Sauf que techniquement, on n'a pas bien réussi, ça a été assez... Donc il y avait des plaques d'inox qu'on avait fait, qui n'ont pas tenu, qui ont bougé. Donc ils ont arrêté la fontaine. Depuis, ils m'avaient demandé un projet que j'ai fait pour la rénover plus simplement, mais ils n'ont jamais réalisé parce que la maire Hidalgo supprime toutes les fontaines qui sont dans Paris. Et donc ça, c'était un espace assez fantastique au cœur de Montparnasse où les enfants venaient en maillot de bain, pareil. Parce que... Et il y avait vraiment une vague. C'est-à-dire qu'on entendait la vague qui faisait le tour de la fontaine. Et ça, alors c'était un peu compliqué, mais il y avait 64 pompes, enfin bon, ça a été trop compliqué, et en effet, ça, je regrette que ce soit trop compliqué, mais c'était un espace d'usage absolument génial, parce qu'en effet, c'était un espace qu'on trouvait en place. Ça c'est à Vincennes, ça marche toujours, ça c'est l'espace au-dessus du RER, toujours pareil, donc là on est au-dessus du RER, et ça c'est ce qu'on est en train de terminer à Pantin, c'est une baignade, c'est la première vraiment grande baignade à Pantin, vous voyez, dans les immeubles, hein, pour les enfants. On va voir, voilà, ça commence, c'est pas totalement fini, mais on a vraiment une baignade à l'intérieur d'un parc, c'est un concours qu'on a gagné il y a quelques années, et donc c'est vraiment important de voir les systèmes de l'eau. Après, le second sujet, alors, le premier sujet c'est l'eau dans la ville, en effet, c'est important. Le second sujet c'est en effet les grandes promenades urbaines. Partout, moi je travaille sur Nice, donc sur Biarritz, sur ces grandes villes, mais partout on pourrait imaginer des grandes liaisons urbaines, piétonnes, des grandes promenades urbaines qui permettraient en effet de lier et en même temps en effet de recréer des espaces plantés. Ça c'est à Auteuil. Vous voyez, on passe sous les pistes du truc, donc j'ai coupé, là, j'ai coupé parce que le tunnel faisait un angle, donc quand on entrait dans le tunnel, c'était noir et on voyait pas la fin. Vous voyez, là c'est sûr qu'on n'a pas envie d'y aller. Hein. Donc j'ai commencé à couper le tunnel à moitié, j'en ai supprimé à moitié, et puis ensuite on a recréé ces continuités. Là il faudrait supprimer ces escaliers d'ailleurs ici, mais ça la ville de Paris ne le fait pas, de façon à retrouver le niveau presque de la station du métro, et de en sortant du métro, de prendre cette grande promenade d'Auteuil, qui est en plus en référence à Verlaine évidemment, donc et qui se poursuit, et qui sont des promenades. Le tissage de la ville à partir de promenades, Alphand en a parlé, mais aujourd'hui, on pourrait le faire et ce serait vraiment un élément fort. Ça, c'est le parc de Bagnolet, c'est sur les anciennes friches, les anciennes carrières de gypse. Donc, c'est le château de Vincennes que j'ai remis en scène. Et ils font attention à Saint-Saint-Denis à bien garder cette mise en scène. C'est une grande pelouse qui est une espèce de piste d'atterrissage qui fait 600 mètres de long sur 40 mètres de large et qui parcourt, qui réunifie en fait le parc. Là, j'ai gagné contre chez Metoff. Bon, il me l'a rendu à Venise. Bon. Donc, c'était il y a un moment hein, déjà. Et ce parc, bon, j'aime beaucoup parce qu'à la fois, il est très dessiné sur la partie haute et au contraire, très, très irrégulier sur la partie basse. Et c'est avec Sophie, c'est ensemble qu'on avait travaillé dessus, non? Non, on n'a pas travaillé. Mais donc, on a vraiment une partie très nature, d'ailleurs, qui est interdite au public parce que c'est dangereux, il y a des fontis. Et j'ai profité du fait que ce soit interdit au public pour faire vraiment une espèce naturelle. Et on passe sur les pontons dessus. Donc il y a une dualité, si vous voulez, une polarité dans ce parc qui fonctionne justement tout en étant très urbain, parce qu'il y a des tours immenses autour, et très très urbain, à une scénographie, parce qu'on voit tout Paris à partir de cette grande pelouse qui est un belvédère sur Paris, et par contre il y a un espace très introverti en contrepoint à cet espace très extraverti qui est la plage, et qui est là. Donc cette composition-là, dans un espace industriel qui était totalement délaissé, elle est possible au sein de la ville. Et ça, c'était lorsque vous avez peut-être vu le jardin qu'on avait fait pour l'Institut, avec Jacques Lang, là, pour l'exposition des Jardins d'Orient. Et ça, c'était pour dire qu'en effet, avec François Abellané, qui est l'artiste qui avait fait l'anamorphose dessus, vous l'avez dû avoir. Bon, moi, j'avais dit, il faut que ton œuvre d'art, elle serve à quelque chose aussi pour les gens du jardin. Et donc, en effet, on avait surélevé comme ça, donc il avait fait son design avec des parterres. Ça, ce sont des parterres de fleurs au-dessus. Mais ça nous permettait d'avoir une scène sur laquelle on pouvait faire, en effet, des concerts, ce qu'on a fait, d'ailleurs, pendant plusieurs mois. Ça, c'est l'agence, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est là, Isabelle, ou pas. Mais ça, c'est à l'hippodrome d'Auteuil pour dire qu'en effet, il faut pouvoir pique-niquer dans les parcs. Donc, je disais qu'à San Francisco ou à Moscou, les gens vont passer le dimanche dans un parc à faire des barbecues. Donc, et aujourd'hui, à Paris, c'est pas possible. Donc, il faudrait pouvoir passer, en effet, un dimanche, pas à la campagne, mais un dimanche à la ville, et en profitant comme si c'était la campagne. Ça, c'est à Vincennes aussi, c'est sur le RER. Donc, le monsieur, là, il a son attaché case, il va à la Défense. Et en même temps, il risque de se faire agresser par une araignée. Ça, c'est à Vincennes aussi, sur le RER. Ça, c'est à Montparnasse. Bon, ben, pour montrer que, ben, les socles, ben, ils sont ce qu'ils sont, hein, mais, je pouvais pas faire autrement parce que les mottes étaient plus grandes que l'épaisseur de terre. Là, il n'y a pas de terre.
il y a 20 cm de terre ou 40 cm de terre. Donc les sopes sont vides pour que les racines s'évadent et passent dedans. Donc voilà, et puis il y a les amoureux qui viennent. Voilà. L'important, c'est que les amoureux puissent venir. C'est ça, non mais c'est ça un jardin. Hein. C'est quand même fait pour les amoureux. Donc là, ça c'est à Auteuil, où justement j'ai imaginé, parce que je voulais terminer un peu sur le mobilier, pour passer la main. Non mais ces grandes plaques que j'ai dessinées à Auteuil, elles fonctionnent très bien. Ce n'est pas du tout des bancs, c'est des plaques qui flottent au-dessus de l'herbe. Et vous voyez, bon, il y en a un peu dispersé un peu partout, comme ça, qui flotte. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, parce que c'est un autre usage que le banc, qui est quand même assez chiant. Et ça, c'est pareil, ça c'est à Vincennes, c'est sur le RER, pareil. Donc ces systèmes de platelage peuvent avoir tout un tas de formes qui sont des usages, qui incitent à des usages différents. Voilà, je crois que j'ai fini, et je termine sur la photo qu'il y a dans mon bouquin. Donc merci. Voilà, ça fait plus d'une heure, hein. Donc, Bravo. Écoute, moi j'ai envie de parler de ce contenu et de ce livre, mais on va d'abord sans transition enchaîner avec notre invitée ProUrba, Isabelle Pertuis, qui représente tout le groupe ce matin et qui a préparé quelques questions qu'elle aimerait te poser, puisque vous travaillez, vous, sur la ville à l'échelle européenne, et puis avec de nombreux paysagistes, vous nous aidez à fabriquer de nouveaux usages dans les villes et de nouveaux espaces. Alors, je t'en prie, viens à la tribune et je te donne un petit micro à pompon. Merci. Bonjour à tous. Tu veux t'asseoir? On va s'asseoir. Allez, on s'assoit pour discuter. On s'assoit. Vous allez vous reposer un peu. Je vous en prie. Donc, effectivement, nous, ProUrba, on collabore depuis de nombreuses années avec des paysagistes, des architectes, des designers pour penser et créer des espaces publics dits récréatifs et pour en faire aussi des lieux de destination ouverts à tous, où les gens aiment aller et puis aussi revenir, parce que c'est utile. Et dans le cadre de notre partenariat avec la FFP, ben, j'ai le plaisir de pouvoir vous poser quelques questions. Dans votre livre, vous commencez par parler de vous, enfant. Hein, qui jouait à l'Indien. Et d'après vous, quelle place tient l'enfant dans le paysage en tant que, comme vous dites, sujet percevant? Merci d'avoir posé cette question. oui, là, j'ai mis cette image dans le livre, je l'ai mise parce que justement, ça me parlait de beaucoup de choses. Alors, c'est une image que ma mère m'a envoyée il y a quelque temps, hein, je l'ai retrouvée avant. Et donc, c'est moi en train de jouer dans des tas de ferraille, puisque mon père était ferrailleur, et donc mon jardin, c'était que des tas de ferraille. Il n'y avait pas du tout de plantes. Hein. Donc, je me souviens de quelques poules qui couraient sur les tas de ferraille. Je ne vous dis pas les œufs, comment ils étaient. Bon. Donc, là, je suis déguisé en Indien, et je me souviens très bien de ce déguisement en Indien, avec mes plumes en papier, et puis un vieux drap que j'avais dessus, avec des broderies. Et comment je rêvais que ces tas de ferraille, c'était des collines. Et comment j'avais pas envie d'être un cow-boy déjà, je voulais être un Indien. Et du coup, je me dis, en voyant cette image, je me dis en effet, ça raconte un peu mon rêve de paysage, au bout du compte. Et comment un enfant aussi, et comment la part de l'imaginaire dans ma relation à l'environnement. Et ça, c'est pour ça que je parlais de sujet percevant ensuite, en disant non, il faut arrêter de dire que les gens, c'est des objets ou c'est des quantités d'usagers, des usagers, usagers, ER et E. Tu vois. Donc non, je me dis non, c'est pas des usagers. Vous dites compte, c'est des sujets dans le paysage, c'est pas des usagers. Ce qui est intéressant, ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'on offre des usages, nous, on offre la manière de pratiquer, c'est ce qu'on voyait aussi, mais après chacun choisit. Et justement, la liberté, c'est quand même la valeur essentielle, quand même. Et surtout si on est paysagiste, et si on aime la nature, c'est parce qu'on aime la liberté. Pour moi, c'est synonyme. Donc, et c'est vrai que ce désir de liberté, il s'exprime dans l'idée du sujet percevant. C'est-à-dire qu'on est. Donc percevant, parce qu'en effet, je dis que tout est lié à la perception, il n'y a rien qui ne soit pas perçu dans le monde qui nous entoure. Et c'est la relation entre ce sujet et l'environnement que je vais lui proposer qui m'intéresse. Donc c'est bien la relation, c'est la perception. Et il est sujet dans la mesure où, de toute façon, il va choisir. Donc
Dans ma méthode de travail, je fais quelquefois un travail avec les habitants, comme ça, mais bon, c'est surtout dans le quotidien que les gens qui pratiquent un espace sont des sujets. Voilà, c'est pour ça que j'appelle sujet percevant. Et puis les enfants, évidemment, c'est la part de cet imaginaire que je montrais, parce que la contradiction de cette image, elle est probante, quoi. C'est-à-dire que l'Indien parmi l'état de ferraille, quoi. Donc, et ça marche. C'est-à-dire que je me souviens très bien que je jouais à l'Indien parmi l'état de ferraille. Voilà. Donc ça induit toute ma réflexion sur l'imaginaire et sur la manière d'interpréter en fait un environnement et de lui donner des qualités. Voilà. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas une qualité en soi. Et c'est pour ça que je parle de subjectivité aussi tout le temps, où j'ai dit non, il faut assumer la subjectivité. Il y a une universalité de la subjectivité aussi. Et parce que quand moi je suis à l'UNESCO, dans le conseil scientifique, je dis ouais, la beauté du paysage, c'est subjectif. Je dis oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit subjectif. C'est pas que ce soit objectif, on s'en fout. L'objectivité, ben, tout le monde est d'accord sur l'objectivité. Ce qui est intéressant, c'est la subjectivité. Donc c'est vraiment ce sujet-là que je voulais aborder. Voilà. Question suivante. Alors, vous parlez aussi des usages et de l'aspect utile du paysage. Oui. Et avec, par exemple, les Jeux Olympiques qui vont bientôt arriver, comment intégrez-vous des pratiques sportives autonomes comme les équipements sportifs, même les aires de jeux pour enfants le paysage? Merci d'avoir posé cette question aussi. Moi, j'adore qu'on me donne des contraintes. C'est pas du tout. Pour moi, on me dit il faut des jeux d'enfants. Je dis oh, super, il faut des jeux d'enfants. Il faut un parking. Oh, ben, super, il faut un parking. Vous avez vu le parking de Nice, hein? Voilà. J'ai fait un grand parking. Donc, on fait des jeux d'enfants. À Nice, j'ai travaillé avec Seinfeld, David Seinfeld, pas travaillé avec Paul Urban, mais je lui ai dit, il faut que tu me fasses une espèce d'histoire autour des animaux marins. Donc, on va faire une baleine qui va faire 35 mètres de long. Et elle fait vraiment 35 mètres de long, la baleine. Et donc, ça a eu du succès, parce que ça a du sens aussi. C'est pas juste. Donc, ce que je pense, c'est que toutes les utilités sont bonnes à prendre. Moi, ça ne me gêne pas du tout, toutes les utilités. Dans mon tableau que j'ai fait, j'ai dit on va de l'utile au symbolique. Donc moi, je vogue entre les deux. C'est-à-dire que je vais faire 50-50, utile 50, symbolique 50. C'est-à-dire que les jeux de Seinfeld, ils sont même presque. Enfin, ils sont à peu près 50-50. C'est-à-dire qu'en effet, il y a du symbolique. C'est-à-dire qu'en effet, une création de sens, une création de sentiment, une forme. Et en même temps, ils sont très fonctionnels en tant que jeu d'enfant. Donc je pense qu'il ne faut jamais penser jeu d'enfant ou équipement uniquement en fonctionnalité. On en a bavé des fonctionnalistes, tous. Hein, on a vu ce que ça a été dans les. Bon, la pensée fonctionnaliste, elle a eu des biens parce qu'elle a nettoyé un peu l'archaïque pensée académique dans les années 30. Mais après, elle a fait des dévastations terribles. C'est-à-dire, les gens y croyaient parce que ça marche, ben, les gens y trouveront ça bien un jour ou l'autre. Non, c'était débile. Donc il faut. C'est pour ça qu'on avait évacué complètement la dimension sensible, pour le coup, et symbolique du travail qu'on faisait. Donc, il faut de la fonctionnalité, il faut de l'utilité. Vous me dites, vous, ben moi, les jeux, les enfants, il faudrait qu'ils fassent ça, il faudrait qu'ils fassent ça. Oui, dites-moi, donnez-moi le maximum d'emmerdements tout de suite. Et moi, le projet, c'est justement de savoir prendre les emmerdements et en faire quelque chose. Et en faire quelque chose pour que ça parle à d'autres dimensions et à d'autres gens. C'est-à-dire que la superposition des sens, la polysémie, comme on dit en gros mot, mais la superposition des sens, évidemment, sur le jardin atlantique, par exemple, il y a 136 trémies qu'on a traitées. Des trous. Donc c'était qu'un projet de fonction à l'origine. Il y avait des voies pompiers, etc. On a essayé de faire un jardin malgré tout, je dirais. Malgré tout. Donc oui, malgré tout. Parce qu'il y a 136 trémies, on peut les voir, et c'est que des obstacles. Donc comment on fait? Et en même temps, ça m'a beaucoup amusé. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il y a de plus amusant, au bout du compte, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'emmerdements. Et là où il faut vraiment avoir de l'imagination, au bout du compte. L'assistance technique. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais bon, face à l'urbanisation, l'extension des villes, le réchauffement climatique, quel rôle peut avoir le paysagiste ou même des acteurs comme Prourba? Moi, ce que je dis, ce que je vous ai dit pendant toute ma petite heure, là, c'est que je pense que il faut changer de représentation. Ça, c'est sûr, il y a un problème de représentation. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la mythologie contemporaine, si c'est pour consommer plus, pour aller passer son week-end en Thaïlande, revenir, etc. Enfin, on est dans le délire total. Donc on le sait bien, puisqu'on détruit la planète en faisant ça. Donc il faut créer de nouvelles représentations, de nouvelles échelles de valeur, ça c'est sûr. Et puis, donc de nouvelles cultures. Il faut que les paysagistes soient partie prenante, parce que tous les paysagistes, au bout du compte, ils ont cette vocation-là, dans les tripes. C'est-à-dire que sinon, ils ne seraient pas paysagistes, ils seraient ingénieurs, architectes, c'est tout. Donc s'ils sont paysagistes, c'est parce qu'ils y croient à ça. Ils croient qu'on peut créer des lieux de bonheur, je dirais, en des gros mots, hein, mais des lieux de bonheur avec peu de choses, au bout du compte.
Et donc, dans les villes, qu'est-ce qu'il faut faire avec vous, avec ProUrba, avec les gens qui produisent des équipements? C'est justement réfléchir à la manière de pouvoir pratiquer la ville densément, sans consommer une énergie délirante, sur peu d'espace, assez peu d'espace, enfin, en essayant de reconvertir des espaces pour leur donner le maximum de facultés de jouissance, je dirais, pratiquement. Et ça, c'est un travail qui, pour moi, est un vrai travail écologique. C'est-à-dire que changer le mode, c'est pour ça que j'ai appelé changer le mode de vie, enfin, changer le mode de vie, un jeu de mots, hein, c'est quand tout se comprend. Bon, mais changer de mode de vie, pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, il faut réapprendre à marcher, réapprendre à toucher les choses, faire réapprendre. Quand on prend le métro ou le train, qu'on voit, on traverse ces magnifiques paysages de Bourgogne, qu'on voit que tout le monde est devant son iPhone, en regardant son iPhone, on se dit, purée, ah oui, ah ben lui, il a réussi à changer le mode de vie. Lui, Steve Jobs, lui, il a réussi. Donc, ça, c'est possible. Moi, j'ai vu, en quelques années, les gens ont changé complètement leur comportement. Plus personne ne regarde par la fenêtre. Donc, comment nous, on peut dire, mais arrêtez, les gars, vous allez voir, on va faire des lieux géniaux, alors, ce qu'on essaie de faire modestement, mais où, en effet, vous allez laisser votre iPhone de côté, mais vous allez voir déjà comment une fleur s'épanouit, c'est sublime. Bon, peut-être qu'il faut se servir de l'iPhone, d'ailleurs, pour accélérer le mouvement de la fleur. Bon, il faut sans doute repasser, c'est la question, repasser peut-être par l'informatique, par les outils aujourd'hui qu'utilisent les jeunes, notamment, pour redonner la découverte, l'émerveillement du monde. Quoi. Quand je dis le paysage me console du monde, c'est qu'en effet, cet émerveillement, ben, c'est merveilleux quand même de vivre, ne serait-ce que de vivre, c'est merveilleux. Donc, une fleur qui s'ouvre, c'est merveilleux. Alors, le confinement, ça a été génial l'année dernière. J'ai passé 2 mois et demi dans ma cabane, dans la montagne. Et en effet, le printemps a été sublime, comme j'aurais jamais osé le prendre. J'aurais jamais, grâce au confinement, voir un merisier se mettre à fleurir tout blanc et ensuite toutes les pétales s'envoler dans le vent comme une neige de pétales. Waouh! Et bien on se dit, purée, il faut en parler, il faut le dire aux autres, ça. Donc ça, moi, je crois que notre boulot, c'est beaucoup de dire aux autres, jouissez plus du monde. Voilà. Alors bon, la dernière question, effectivement. Le digital a-t-il sa place dans le paysage? Alors, j'ai montré une photo tout à l'heure, parce qu'à Nice, en effet, on avait travaillé avec Léo, mon fils Léo, on avait travaillé sur cette idée qu'on pouvait mettre des QR codes, ce qu'on a fait avec un concurrent à vous, mais non, mais on s'est fait tout piquer. Mais les QR codes, c'était très bien, et parce qu'avec le téléphone, justement, c'est ça que je dis, moi, je voudrais utiliser le digital pour refaire découvrir le réel, le virtuel pour accéder au réel. Voilà, ça pour moi ça m'émerveille. Moi le réel m'émerveille, tout simplement. Hein. Mais moi j'ai pas besoin du digital parce que justement je suis un tas de ferraille. C'est mon cerveau qui s'émerveille d'une fleur qui pousse entre les tas de ferraille, vous voyez. Donc, mais aujourd'hui, utiliser le digital pour réémerveiller, réenchanter comme on dit aujourd'hui, mais réémerveiller face à la réalité de la planète, à la beauté de la planète, ce serait un outil vraiment formidable. Et dans les jardins, dans les espaces publics, on peut le faire. Et nous, on l'a fait sur Nice. On flashait sur le ficus, par exemple. Il y a un énorme ficus à Nice qui est énorme. Et en fait, ce ficus, il lui est arrivé une aventure incroyable. Tu la connais, Margarita, mais il est arrivé une aventure incroyable. C'est qu'en 85, il a fait très froid à Nice, comme ailleurs. 85-87, il a gelé le ficus. Il a gelé complètement. Et donc, les gens... Donc, cette histoire-là, je la raconte sur le site. Donc, avec ton téléphone, tu flashes. Et tu arrives à un site où je raconte des histoires qui sont un mélange entre de la science et de la poésie. Le fameux science-cible, le concept 3 bis que j'ai inventé, le science-cible. Donc la science et la poésie, pour moi c'est la même chose. Donc et tu arrives et tu découvres l'histoire de ce ficus, par exemple, que tu as sous les yeux, tu ne peux pas le savoir sans le connaître. Et tu vois ce ficus, en fait il a gelé, et puis les gens de la ville l'ont laissé sur place en disant on ne va pas le tronçonner, il va sans doute repartir de pied peut-être, etc. Puis un beau jour ils sont passés dessous, il y a un truc, il a chatouillé la tête. En fait, il y avait un fil qui descendait d'une branche. Et ce fil, c'était en fait, un morceau de branche avait été protégé du froid et a lancé une racine adventice qui descendait jusqu'à la terre. Et aujourd'hui, quand tu y vas, tu vois que cette racine, elle a refait tout le ficus et tu vois l'endroit où ça part. Et ça, c'est une histoire merveilleuse, incroyable. Donc ça, on l'a raconté. Donc avec le truc, on racontait cette histoire-là. Donc on peut raconter des histoires merveilleuses sur les arbres à partir de choses comme ça que je ne pourrais pas faire sans ça. Donc c'est une manière d'utiliser... Des ponts vers le réel. Voilà, utiliser le virtuel pour aller plus au réel. Voilà, ça c'est mon slogan de. C'est bon, ça y est.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Tu peux juste nous parler des trois petits catalogues que tu as apportés? Ah oui, vas-y. Oui, alors, donc là, vous avez en fin de compte trois catalogues, un pour le mobilier urbain, un consacré aux aménagements les plus représentatifs qu'on a fait les trois dernières années, et puis un autre catalogue consacré au sport, puisque c'est vraiment l'axe de développement de Pro-Urbain ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à la table. Alors, on va laisser un peu la place aux questions pour la salle. Et moi, j'en avais une aussi, question, mais c'est plus pour te titiller sur un sujet. Je me disais, tu nous dis que le paysagiste est un explorateur de ville, en tout cas toi, mais certainement aussi les autres. Explorateur de ville, du coup, déjà là... C'est déjà quelque chose de très fort, en fait, parce qu'on peut imaginer qu'un paysagiste est un explorateur de forêts ou de grands paysages. Mais non, on explore des villes, et on l'a bien prouvé déjà depuis longtemps avec cette profession. Et un transformiste de ville, tu dis aussi transformiste avec tous ces projets qu'on a vus. C'était très intéressant de voir aussi l'avant-après, comme tu l'as fait, qui font aussi référence à Repton, que tu aimes beaucoup. Je me souviens que tu avais acheté. Repton, oui, tout à fait, oui. Je pense que c'est toi. Oui, c'est inspiré par Repton. Et donc ça, c'est très efficace. Et on voit bien que cette profession est une profession de transformeur, transformiste de ville. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de dire que tu n'es pas urbaniste. Pas du tout. Mais bon, si tu as envie, tu peux. En tous les cas, moi, je trouve qu'avec le contenu de ce petit bouquin et le contenu de cette conférence, tu nous prouves que tu es urbaniste. Et si tu ne l'es pas, alors qu'est-ce que tu ferais si tu l'étais? Non, mais si je l'étais... Non, mais ça ne me fait pas du tout rêver d'être urbaniste, moi. C'est tout simple. Moi, paysagiste, ça m'a toujours fait rêver. Avant d'arriver à l'école du paysage, je me demandais ce que ça pouvait être, parce que personne ne savait vraiment ce que c'était. Donc, c'est ça qui était sexy, aussi, d'aller à l'école du paysage, parce que même Courageux nous disait, bon, je vais essayer de savoir avec vous à quoi ça peut servir, un paysagiste. Et ça, c'était intéressant. Mais urbaniste, non, ça me semblait une Alors évidemment, les urbanistes comme Fortier, comme Reichen, comme beaucoup, travaillent beaucoup sur l'aménagement de la ville avec une vision, mais ils ont une vision qui est basée quand même sur l'architecture. C'est basé sur l'architecture et basé sur le règlement en plus, donc ça ne m'intéresse pas du tout de me dire urbaniste. Non, mais moi je pense qu'un paysagiste peut faire de la ville, ce qu'on fait tous pratiquement d'ailleurs. Et même je peux concevoir tout à fait, je me sentirais... au moins de travailler sur la transformation des villes, vraiment. C'est pour ça que je parlais du mycélium tout à l'heure. Je pense qu'il y a des enjeux considérables de transformation de la ville avec cette vision de paysagiste qui est tu veux mettre le micro, qui n'est pas une vision de la structure, je dirais. Parce que pour moi, la pensée architecturale, c'est une pensée de la structure physique. Tandis que nous, on est dans une pensée écosystémique, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont dissociés les uns des autres et en effet qu'il faut... Il faut que les choses se parlent entre elles. Voilà. Mon boulot, moi, quand je dis à Nice, l'arc de Venet qui était là comme un cheveu sur la soupe dans un jardin néoclassique avec des pergolas complètement kitschissimes autour, ben, quand j'en parle avec Bernard Venet, je le connais bien maintenant, et j'ai essayé de remettre dans la ville cet arc qui était complètement incongru par le tracé même de la promenade qui est autour, en le redonnant une réalité dans ce paysage-là. Et ce que j'explique dans le bouquin, d'ailleurs, j'ai tout un chapitre sur ça, où je dis comment je mets en relation cet arc qui est incongru avec les façades oranges, avec les arbres, avec la promenade, et que tout ça fonctionne comme un paysage, c'est-à-dire que les choses sont bien les unes avec les autres. Quand on regarde un paysage de campagne, ce sont des choses complètement hétérogènes, une vache, une ferme, un ruisseau, un peuplier, et pourtant ça fait un tout cohérent, qui donne même du bonheur, qui donne du plaisir. Donc, pour moi, ça, c'est la pensée paysagère. Mais s'il faut faire de la ville... Non, mais on va continuer à en discuter tout à l'heure, parce que je me dis, alors, il y a des villes-paysages et d'autres qui ne sont pas des villes-paysages. S'il y a des villes-paysages, c'est qu'elles ont été faites par des urbanistes paysagistes ou pas? Ou contraintes par la géographie. Je me pose des questions, non, par le hasard. Contraintes par une réalité. On disait, il y a quelque temps ici, le paysage comme préalable à l'urbanisme. C'est Ariane de Lillez qui avait inventé cette formule. Non, mais... Elle disait le paysage comme préalable. Mais typiquement, sur ces villes-là, ou les villes topographiques,
où on se rend compte que la topographie, c'est-à-dire la réalité du socle naturel, a impacté considérablement, a emmerdé considérablement. Le Consiglio Donato même, je montrais l'exemple à Nice, il a été emmerdé par la courbure du Paillon, on voit bien qu'il a été emmerdé. Et puis tout d'un coup, il a décidé de viser une montagne qui s'appelle le Mont Chauve derrière Nice. Et ça, c'est génial parce que c'est sur l'avenue Gambetta à Nice. Et tu vas voir, tu vois tout d'un coup, tu as une avenue, oh, ben, tombe pile sur un truc. Alors tu dis, ah ouais, il y a un paysagiste qui a dû passer par là, où ils ont vu le paysage à un moment donné, et du coup, il n'est plus du tout orthogonal par rapport aux autres, légèrement décalé. Et je dis, ah ben oui, voilà, ça c'est bien. Parce qu'en effet, ça met en relation avec l'arrière-pays, tout d'un coup, qu'on voit qu'il rentre dans la ville. Et donc, ces relations-là, elles sont, ce ne sont pas des relations sensibles quand même. D'abord, c'est une appréhension du réel. Comme je disais, mesurer le paysage, c'est s'y mesurer, physique, tu vois. Et puis, le bonheur que ça peut me donner. Donc voilà. Très bien. Non, mais, discussion à poursuivre. Oui. Est-ce que il y a parmi vous des questions ou des remarques dans la salle par rapport à cette conférence ou... Je trouve évidemment très bien l'ensemble que tu as présenté est tout à fait intéressant. Je crois que ce qui est important, c'est que sans doute on est à un moment où tout d'un coup les choses sont en train de virer. Je crois qu'effectivement l'absence, le côté abstrait, le côté théorique des choses qui fait qu'effectivement, les gens, quand ils sont dans les transports en commun, tout ça, regardent leur smartphone et ne regardent pas par la fenêtre, c'est un moment qui est peut-être en train de passer un petit peu. C'est-à-dire qu'on est en train, je pense, de retomber sur une idée de la matière. J'ai deux exemples. Moi, j'ai travaillé sur le TGV Atlantique, il y a donc déjà un bon moment. Ça devait être une vingtaine d'années. Et j'ai parcouru avec les gens du TGV Atlantique les lignes pour voir comment ça marchait. J'étais dans la cabine et tout ça devant. Et puis, ils discutaient de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est donc le TGV qui passe partout. Enfin, c'est celui qui est construit maintenant. Et à ce moment-là, leur questionnement, il n'était pas tellement sur... Ils coupaient les choses en deux. Il y avait la manière dont le TGV est vu. Et ça, ce n'était pas pour les gens qui prenaient le TGV. C'est pour les gens qui étaient à l'extérieur, avec l'idée qu'on va l'intégrer. Mais toi, l'idée d'intégrer un TGV, c'est une idée quand même un petit peu bizarre. On voit comment il peut se désintégrer, le TGV, mais on ne voit pas tellement comment il peut être intégré réellement. Et à ce moment-là, ils hésitaient sur le fait de laisser les fenêtres au TGV. Ah oui. Parce qu'ils avaient remarqué qu'en fait, les gens regardaient en moyenne moins d'une fois par la fenêtre en faisant Paris-Lyon. En moyenne. Donc, ils se sont dit, faire des fenêtres, qui est un vrai problème technique, on améliorerait l'aérodynamisme, et puis on met des écrans, et puis voilà. Et c'était déjà, et pourtant la présence des écrans était beaucoup moins forte qu'elle était maintenant. Mais déjà, ils se posaient cette question. Ils ont hésité, vraiment. C'était une très grosse économie. Et on était transportés dans un suppositoire. Enfin, il y avait un truc de fou. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. De se rendre compte que quand même, je pense que c'est une chose qu'on ne pourrait plus envisager maintenant. Quoi. D'ailleurs, c'était dans aucun des programmes des présidents de supprimer les fenêtres du TGV pour faire une économie d'énergie. Parce que c'était une économie d'énergie, quand même. Bon. Une autre chose qui me paraît très, très intéressante, c'est que tu montres et que tu défends une idée que je suis forcément d'accord avec, parce que ça fait des années que j'essaie de lutter pour ça, le fait qu'il n'y a pas ce qui fonctionne, ce qui marche bien, ce qui distrait, ce qui repose, c'est-à-dire l'opposition... qui est une opposition qui remonte, qui est une opposition un peu archaïque, un peu basique, avec les meilleures volontés du monde, qui était l'opposition entre la nature et la culture urbanisée. D'ailleurs, je ne sais pas, moi qui suis un peu plus vieux que toi, en 68, on criait du gazon, pas de béton. Bon. Donc ça voulait dire qu'on était dans cette opposition entre ce qui sert, ce qui fonctionne, ce dont on a besoin pour habiter, et puis ce qui est la nature. Ce qui s'est transformé petit à petit en un rapport, et qui était déjà depuis longtemps dans un rapport de compensation. C'est-à-dire que quand Haussmann décide qu'il y aura des parcs, c'était des parcs compensatoires. C'est-à-dire, puisque la ville est dure, puisque la ville est bruyante, puisque la ville est un peu malsaine, alors on va faire... C'est pour ça que moi, au début, j'avais un vrai problème avec le jardin, parce que pour moi, c'était l'hôpital de la ville. On décidait qu'il y avait un lieu pour se remettre du fait qu'on habite en ville, quoi. C'est un vrai problème, je préfère attaquer la question de la ville. Et du coup, ce que tu fais en disant, finalement, ne coupons pas ces choses-là, mais faisons ce mycélium dont tu parles, je trouve que c'est évidemment la direction dans laquelle il faut aller. C'est-à-dire que la ville en elle-même est bien. Moi, j'ai toujours été un urbain
fantastique. Je viens de la province, j'ai vécu enfant dans des grands jardins, j'avais pas ce problème-là. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, je ne sortirai plus de Paris. Voilà. J'avais décidé que je ne passerai jamais le périph. J'ai tenu le coup 7 ans quand même. Je ne sortais pas parce que je me disais, dans le fond, il doit se trouver là-dedans tout ce qu'il faut pour vivre. Et c'est ça que j'imaginais. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas un ailleurs. Y a pas... Parce que sans ça, les ailleurs, ils sont, on va en profiter. En allant en profiter, on les détruit. Ça a été le cas de tous les grands sites touristiques. On est allé d'abord au bord de la Marne, c'était suffisant. Puis les bords de Marne, c'est devenu infernal. Alors on est allé un peu plus loin, on est allé au bord de la mer. Puis tous les sites des bords de mer, là, ils sont, par le tourisme même, bousillés. Ils sont urbanisés et on est allé un peu plus loin. C'est comme ça qu'on est... Puis alors quand on est arrivé au bout du monde, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait plus un autre endroit. Il y en a qui rêvent encore en voulant se barrer sur la Lune. C'est un petit peu la continuation de cette chose-là, finalement. Donc je pense qu'on revient... On bouge moins, on a des raisons un peu techniques, on a des raisons économiques qui, d'une certaine manière, nous aident à peut-être penser. Mais c'est vrai que le mélange de tout ce qui se passe en ville ne devrait pas être un système de quantitatif, mais un système de qualitatif. Or, actuellement, on n'est que dans le quantitatif, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Même si on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de relation directe, par exemple, dans toutes les analyses, entre la quantité d'arbres qu'il y a dans une ville et la qualité ressenti de la ville, il n'y a pas. Les villes, il y a des villes où il y a vraiment presque rien. D'ailleurs, Nice est très, très mal placé là-dedans. On ne sait pas pourquoi, parce que voilà. Donc ça, ces quantités en termes objectifs de quantité d'arbres, parce que toutes les villes européennes sont classées comme ça. C'est tant d'habitants par arbre. Ça va de 2 habitants par arbre, les villes les plus favorables, à 50 habitants par arbre, les villes les plus défavorables. C'est donc pas du tout pareil. Mais en réalité, on trouve dans les villes qui sont ressenties comme étant les plus naturelles, des villes où il y a très peu d'arbres. Donc c'est pas du tout un truc objectif. Il n'y a pas d'objectivité dans le quantitatif. Sauf que le quantitatif, c'est plus facile à juger et c'est plus facile à promouvoir, y compris politiquement. Et c'est pour ça que ça marche là-dedans. Donc ton idée là-dessus, générale, je trouve que c'est évidemment cette direction. Alors, comment faire tout ça ? On sait que c'est extrêmement, évidemment, extrêmement difficile. Ouais. Extrêmement difficile. Mais ça sera forcément une voie, effectivement, pour qu'on se déplace moins, effectivement, pour que soit mélangé le plaisir de vivre dans un coin et le fait d'avoir une qualité, quoi. Bon, qualité de l'air, qualité de l'eau. Toutes ces choses-là doivent pouvoir se gérer dans l'idée de l'urbanisme, même si, parce que l'urbanisme étant du coup compris comme une espèce de stratégie générale de constitution du lieu où on vit. Voilà, donc moi je suis assez optimiste, je pense simplement que ça va être un peu long. Voilà. Bon, on se maintient en forme. Voilà. Merci beaucoup, attends, Jacques. Quelques remarques encore ? Non, juste je voulais reprendre un mot. Je dis souvent l'ici même et l'ailleurs d'un ailleurs. Ça, c'est un slogan que j'ai. Ici même et l'ailleurs d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller ailleurs, puisqu'ici même c'est l'ailleurs. Les gens ils viennent d'ailleurs pour venir ici, donc l'ici même et l'ailleurs. Et ça c'est une ressource de l'existant, de l'ici même. En fait, je trouve que, en effet, notre recherche à nous devrait se porter plus sur justement les ressources du réel ici même. C'est tout. Oui, bonjour, Jean-François Coffin d'AgriCity Info. Comment penses-tu, fais-tu pour séduire les décideurs par rapport à tes idées? Ben écoute, j'ai dû réussir. Alors là, dernièrement, j'en ai perdu beaucoup des concours, donc j'ai pas réussi vraiment. mais j'ai quand même réussi pas mal de fois à le faire. Et justement, on m'a appelé sur Bordeaux. Je suis bordelais d'origine, j'ai jamais travaillé sur Bordeaux, sauf il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Mais puis j'ai perdu les quais, etc. Et là, ils m'ont appelé. Et justement, j'ai développé ces premières idées sur la globalité. Ils veulent planter 1 million d'arbres. C'est un truc, bon. Mais à travers ce million d'arbres, je leur dis, non, il faut repenser le territoire. Et justement, je suis en train d'avancer. Et je suis allé voir des endroits complètement perdus dans la métropole bordelaise, des endroits complètement en déshérence, mais qui sont super intéressants, qui sont super passionnants. Et donc, comment pouvoir reconstituer une ville à partir de la reconnexion de l'ensemble de ces espaces, c'est ce que je suis en train de leur proposer. Maintenant, c'est un enjeu, comme dit Jacques, très ambitieux et très long terme. Mais globalement, j'ai quand même été écouté. Quand même, globalement, je me plains pas trop, quoi. Bon. Alors, on a une autre remarque. Mademoiselle. écoute, tout ce que j'ai entendu était. On entend là ?
Tout ouais. à fait. Était très intéressant et s'additionne avec ce qui vient d'être entendu et auquel j'adhère complètement. Je voudrais juste donner une petite échelle. Tous les propos qui ont été donnés ici et ce que tu nous as présenté a été commandé par des villes qui ont les moyens de se donner cette recherche, les moyens intellectuels et les moyens financiers, et de commander, et même de faire des concours, et de commander tous ces projets. Mais c'est très peu de villes, en fait. Maintenant, je vis dans le Cantal, essentiellement entre Paris et le Cantal, et je vis essentiellement dans le Cantal. Il y a presque toutes les régions de France sont très en deçà de tout ce que tu as proposé. Mais très en deçà, c'est-à-dire que ils sont comme il y a 30 ans, quand on a commencé nous-mêmes et qu'on a essayé de convaincre tous ces décideurs qui n'étaient pas convaincus que le paysagiste pouvait faire des projets urbains tels que tu les as décrits et pas avec une vision fonctionnaliste, etc., etc. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à maintenir auprès de toute cette France, si on parle de la France, hein, qui n'est pas Bordeaux, qui n'est pas Lille, qui n'est pas Paris, qui n'est pas Toulouse, qui n'est pas, et qui n'a pas du tout l'idée et la enfin, votre propos semblerait extrêmement intellectuel. Je dis ça parce que je suis confrontée à ça maintenant. Et donc il faut contenir, il faut aussi aller travailler avec tout ce monde-là. Ils n'ont pas les moyens de ces grandes villes, je vous dis, à la fois intellectuels, à la fois connaissances, etc. Et le deuxième propos que je voulais dire, c'est que je pense que la Covid a beaucoup aidé à tout ce qu'on fait là. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait jusqu'à pas longtemps une sorte de barrière entre la campagne et la ville, et la ville essayant de recréer un rêve de campagne. Et maintenant, on passe à autre chose parce qu'il y a un paysage de ville, hein, qu'on doit créer. Et le fait qu'on se dise, mais attends, aller trouver le rêve à Tahiti, en Thaïlande, etc., c'est complètement stupide, ça détruit, comme tu disais, notre planète, etc. On pourrait essayer ici de retrouver, je pense que la Covid a beaucoup aidé là-dessus, parce que beaucoup d'entre nous, pas ici, nous, on le savait, mais beaucoup de personnes de la ville commençaient à se dire, mais est-ce que je pourrais trouver ça ici dans ma ville ? Donc ça aide. Donc je suis d'accord qu'on passe à une autre étape. Juste pour, alors je réponds. Alors je réponds sur la richesse apparente des projets que je fais, si tu veux. Non, je fais des projets, pas du tout. Là, en effet, je monte des trucs spectaculaires parce que il y a des publics. Oui. Non, mais c'est très bien. Non, mais tu as tout à fait raison. Non, mais ce que je veux répondre, c'est le fait que non, je ne veux pas travailler pour des projets pour riches, pour villes riches. Je travaille en ce moment sur les fumades, parce que toi, tu es dans le Cantal, moi, tu sais, je suis dans le nord du Gard ou le sud de l'Ardèche. Pour les fumades au nord d'Alès, je vais te dire, c'est quand même, c'est des communes extrêmement pauvres. Donc, et on travaille, et c'est une commune complètement éclatée, dans laquelle il n'y a pas de centre-bourg, les fumades, ça s'appelle, tu vois, fumades les Allègres, près d'Alès. Et donc, tu as des petits hameaux qui sont dispersés, tu n'as pas de centre, et au bout du compte, on va reconstituer un centre autour d'un parc avec un agriculteur qui fait des plantes aromatiques méditerranéennes. Donc, avec cet agriculteur qui fait des plantes aromatiques méditerranéennes, on va refaire des champs parmi lesquels on va pouvoir se promener. Et donc, on va reconstituer une centralité, si tu veux, de cette commune éclatée, mais avec des budgets qui sont de 150 000 euros pendant 5 ans. 150 000 euros par an pendant 5 ans. Donc, c'est des trucs. Donc on travaille avec l'agriculteur, on plante des plants forestiers, de lavande, de romarin, et on reconstitue des espèces de jardins, mais qui sont des productifs aussi. Donc il va produire. Donc si tu veux, moi, l'argent, la question des moyens, évidemment, je dis toujours aux étudiants, battez-vous pour avoir le maximum de moyens, parce que plus on a d'argent pour faire nos parcs, et moins il y a d'argent pour faire les bretelles d'autoroute et les parkings. Ça, c'est une base, donc il faut se battre pour avoir du fric. Maintenant, si on n'a pas de fric, parce que les gens n'en ont pas, comme les fumades, je te donne cet exemple, ou dans les Cévennes, les endroits où j'ai travaillé, où il n'y a pas du tout d'argent, ça fait partie d'un des critères où il faut vraiment bosser dessus. Toi, je ne cherche pas à faire des effets. Toi, le miroir d'eau, évidemment, à Nice, ça coûte très très cher. Bon, mais si je n'avais pas eu d'argent, j'aurais fait autre chose, de toute façon, c'est sûr. Mais ce n'était pas une critique personnelle, c'était plutôt un vœu militant. Non, mais je comprends. Et je pense qu'il faut qu'on soit partout. Si il faut qu'on soit, voilà, partout. Il ne faut partout, surtout pas qu'on soit des trucs pour les riches, c'est tout. Oui. Alors,
Il y a un phénomène aussi qu'il faut prendre en compte. Tu dis très justement, Laure, bon, il y avait la ville et la campagne, et on avait aussi des habitudes de vie qui étaient, on travaillait dans la ville et on se reposait dans la campagne. Aujourd'hui, le mode de vie a complètement changé. Et les derniers mois qu'on a vécu, les deux dernières années, ils ont prouvé qu'il fallait inventer autre chose. Et aujourd'hui, on vit, on se repose et on travaille dans un même endroit. La ville, en l'occurrence, où elle l'emporte, ou bien effectivement les gens partiront. Et je crois que c'est un phénomène qu'il faut aussi complètement appréhender, qu'on a appréhendé au 19e siècle quand même, il ne faut pas l'oublier, et qu'il faut aujourd'hui réinventer avec des nouveaux modes de vie, une nouvelle appréciation Exactement. De la ville et de l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur. Tout à fait, donc on va tous avoir besoin de ville-paysage, alors je vais embarquer avec moi Sylvie Ligné de... de Garden Lab qui a donc lancé. Viens ici, Sylvie. Pour... Présente Garden Lab. Non, mais présente votre boulot quand même. Merci. Merci de nous donner la parole, donc avec Cécile Christophe, hein, puisqu'on est les deux protagonistes de ce nouveau média, enfin qui a maintenant 5 ans, certes, mais qui est quand même relativement nouveau. Et je dois dire que moi, j'ai bu du petit lait, hein, parce que quelle que soit l'échelle, hein, de la campagne ou de la ville, pour nous, la problématique est la même, c'est de reconnecter le public, d'une manière générale, au vivant. Et donc, puisqu'on est de plus en plus quand même attentif à son habitat, c'est de comment on fait pour mieux habiter là où on est. Et ça ne sert à rien d'aller à l'autre bout du monde, comme il a été dit. Donc, on est parti de cette démarche-là, bon, avec d'autres critères qui étaient de se dire, dans le domaine du jardin, puisque ça s'appelle garden, donc c'est vrai qu'on est quand même très dans le... dans le jardin, c'est qu'il y avait cette perte de savoir-faire jardinier. Et dans les villes, parce que notre réflexion, elle est partie des gens de la ville, c'était de dire, il y a une attente, les gens veulent du vert, veulent du végétal, veulent cultiver des choses autour de chez eux ou chez eux, mais ils ne savent absolument pas comment faire. Et en plus, ils s'inventent toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Pas le temps, pas la main verte, bref, ils ne font rien. Mais ils ont envie. Donc en fait, avec Cécile, donc Christophe, qui est également là, on a réfléchi à la manière d'avoir... Alors, on vient de la presse magazine. Hein. Nous sommes des produits purs de la presse de jardin, puisqu'on était à Mon Jardin et Ma Maison, où on avait de belles images de jardin, inaccessibles. C'est ce que nous reflétait un certain nombre de lecteurs. Et puis, on parlait de jardinage. Mais avec donc, des gens qui se disent « Mais de toute façon, moi, je ne sais pas jardiner, je ne vois pas faire. » Donc on a renversé le problème en se disant « Partons de tout ce que le jardin apporte dans sa vie, dans sa ville, dans son bien-être, dans ses relations aux autres, et construisons un média autour de ça. » Donc est né Garden Lab, qui est une revue, parce que ce que l'on voulait aussi réintroduire, c'est la slow life, des anglicismes, hein, certes, mais du slow journalisme aussi, c'est-à-dire un moyen de ralentir, de lever la tête, de regarder par la fenêtre, d'observer, de s'émerveiller. Ça, j'adore. De toute façon, j'adore tout le temps. Quand tu parles, tu as un vocabulaire. Ça, c'est moi, j'aimerais comme ça, hein. Noter, je voudrais faire un dictionnaire. Un dictionnaire amoureux de la ville, pourquoi pas, hein, tu pourrais le faire. Et c'est ça, c'est de réenchanter. C'est de dire, mais finalement, oui, c'est formidable, ce qu'il y a autour de moi, c'est formidable, et j'ai compris, et je vais m'engager. Donc la revue, elle est thématique, elle est vendue donc en librairie, on en est au 13e numéro, le dernier numéro vient juste de sortir, ça s'appelle « Des arbres et des hommes ». Elle est basée sur le partage d'expériences, donc on met beaucoup en avant tout type d'interlocuteurs, paysagiste en premier, parce que ça a été aussi notre démarche de départ, mais également un pépiniériste, enfin, tout type de profession autour du végétal. Mais on interroge également philosophes, écrivains, chercheurs, scientifiques de tout poil et de tout genre. Tout ça dans un objet de lecture qui est un carnet d'inspiration, en se disant que c'est par cette forme de pédagogie douce que les gens... le public va se sentir de plus en plus investi dans ça, enfin va le regarder davantage, va le mieux l'intégrer et de pouvoir être demain, il est citoyen, hein, il vote dans sa commune et de se dire, mais moi je veux ça dans ma ville. Donc on parlait de l'échelle de la ville et des villes riches qui peuvent commander ce type d'ouvrage, mais peut-être pas. C'est-à-dire, si la demande, elle vient de l'habitant, elle vient du citoyen, pourquoi pas.
Donc après, parce que c'est pareil, hein, moi je suis comme Micha, je peux parler pendant des heures, donc je vais essayer de faire court. Donc en parallèle en fait de la revue, donc on a un site internet qui est là, la boîte à outils pour créer son jardin en ligne, hein, en disant on peut vous accompagner, toujours dans cette démarche de faire des petites choses, un rebord de fenêtre, pourquoi pas, ou un balcon, ou une terrasse, vraiment pour qu'il y ait cet engagement, et surtout de dire, un paysagiste n'est pas quelqu'un qui conçoit des parcs ou des choses immenses, mais il peut aussi venir apporter du bien-être chez vous. Et une activité d'édition, donc ça c'est la collection « Inventons la ville paysage ». Donc là on est allé effectivement dans une forme un peu plus professionnelle, là on est moins public, hein, on est moins grand public, mais quand même c'est aussi toujours pour attirer le regard de citoyens, de gens qui votent et qui peuvent être influents au niveau des élus dans les communes ou dans les agglomérations. Donc changer de mode de ville, enfin, inventons la ville paysage, et ça a été soufflé par toi, hein, Michel. Premier numéro, c'était la nature en ville par un paysagiste qui s'appelle Arnaud Delacroix. Et à la fin de chaque livre, il y a un échange. Enfin, je voulais conclure là-dessus. Il y a un échange avec quelqu'un d'un milieu autre que le paysage. Arnaud Delacroix avait voulu échanger avec Philippe Madec. Et donc son mouvement de la frugalité heureuse et créative, elle est aussi très, très intéressante dans tous les univers de l'habitat et le paysage aussi. Toi, tu as voulu échanger avec Christian de Villers, et je voulais conclure là-dessus. Ce que vous avez dit, c'est qu'à la différence de l'architecture, c'est que vous ne créez pas des œuvres, vous créez des morceaux d'histoire que chacun devra s'approprier et l'histoire continuera. Et je pense que c'est ça aussi la grande force de ces métiers-là, c'est de se dire, moi, voilà, je lance une impulsion, après, à tout le monde de se l'approprier. Merci. Bah, merci. D'accord, merci bien. J'avais une question, c'est, donc vous avez deux collections, celle qui est plutôt jardin et l'autre, inventons la vie de paysage et les jardins de demain, c'est ça? C'est la revue. Donc là, on en est au 13e numéro, okay. On a eu des thèmes très, très différents, on a traité de la sécheresse, de l'eau, de tas de choses comme ça. Donc c'est une forme de périodicité, et puis là c'est vraiment un ouvrage avec un auteur. Là on a une vingtaine d'auteurs, autant okay. Photographe. Et vous diffusez comment? Librairie, boutique spécialisée. Aérole, tu les trouves? Oui, la librairie Aérole. Exactement, et sur notre site internet qui s'appelle gardenfab.fr. Ok, très bien, merci. Merci à vous, bravo pour ce travail. Merci alors à tout le monde. Merci à tous. Et c'est bon? C'est bon, hein, bah, c'est pas en clôture, et du coup... Simplement pour vous dire là.